Ba-ba-ba, oh un soda. Ba-ba-ba, la-la-la-la-la-la-la. Oups. Non! Il faut que ça s'arrête. Je ne m'attendais pas à ça. Au moins, il reste quelques gouttes. Allez. Eh bien, c'est embêtant. Au moins, il y a une autre bouteille. Doucement. Vas-y, doucement. S'il te plaît, ne me trempe pas. Attends. J'ai une meilleure idée. Je peux utiliser ce sirop de maïs. Je vais mettre une cuillerée de sirop de maïs dans le soda. Ça devrait le faire. Je vais remettre le couvercle. Assure-toi qu'il est bien serré et secoue-le. Et ensuite, on le met au frigo pour le faire durcir. Je pense que c'est prêt. Ba 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 la la la. Je n'ai pas à m'inquiéter que ça se gicle partout. Waouh! Regarde ça! Et c'est délicieux! C'est bien meilleur que le soda normal. Wouh! Salut les filles! Je vais juste prendre un verre. C'est une super chanson. Ça suffit. Oh, du soda! La danse est une activité qui donne soif. Merci. On se voit sur la piste de danse. Ok, c'était un peu mal élevé. Je vais juste me servir un autre verre. Parfait. J'ai hâte de la voir. Je vais prendre ça. Merci, j'ai vraiment besoin de ça. Sérieux? Je veux juste un soda. Je peux en avoir un? Moi aussi. Tu te moques de moi? Attends, je sais comment régler ça. D'abord, j'ai besoin de cette jarre. Je vais la remplir de soda. Je n'ai pas encore fini. Je vais détacher cet attache-câble. Puis je vais l'enrouler autour de l'anse de la gourde. Je dois presser la jarre pour que l'attache-câble passe dessus. L'attache-câble reste sur le bec. Maintenant, je peux remplir 3 verres à la fois. Cela permet de gagner beaucoup de temps. Les amis, venez chercher votre soda! Sympa! Merci, Emma! Faisons la fête! C'est l'heure de s'amuser! Pas si vite! Pas de nourriture ou de boisson autorisée! Je dois vous scanner! Waouh, ce truc est sûr! Ok, tu peux y aller! Hein? Stop! Qu'est-ce que c'est? Waouh! Donne-moi ça! Tu connais les règles. Elle est bonne. Mais pas si bonne que ça. Elle ne va jamais me trouver ici. Je peux t'aider? Jolie chaussure. Tu connais les règles. Mais elles sont si injustes. Dégage. Que s'est-il passé? La sécurité est tellement stricte. Nous ne pourrons jamais entrer à la fête. C'est bon, prends de la glace. Je ne peux pas, j'ai mal à la gorge. Je peux t'aider. Prends ces pastilles. Attends. Je crois savoir comment faire passer notre friandise par la sécurité. Enlève les pastilles de l'emballage. Ensuite, prends une bouteille de soda et un verre. Verse le soda dans le verre. Ajoute du colorant alimentaire au soda. On ne veut pas que ça ressemble à du soda. Puis ajoute une cuillerée de gélatine. Remplis une pipette avec le mélange. Répartis le mélange dans les petits losanges. Remplis le paquet et laisse-le durcir. Mets une feuille d'aluminium sur le paquet et ferme-le. Stop! Ouvre le sac! Qu'est-ce que tu as là? Des pastilles pour la gorge? Ok. Tu peux y aller. Oui, j'ai réussi. Je pense que je mérite cette friandise. Je veux dire, c'est pour ma gorge. c'est si bon. J'adore le chocolat. J'adore le chocolat. Non, non. Donne-moi ça. Pas de cochonnerie pour le petit déjeuner. Beurk, dégueu. Je n'en veux pas. Ben. Et un bonbon, ça te dit? Ce sont les meilleurs. Qu'est-ce que tu fais? Range-moi ça. Je n'en veux pas. Tu vois, elle préfère mes bonbons. Non, je n'en veux pas non plus. Allez, mange, mange. J'ai dit non. Allez-vous-en. Oh, qu'est-ce qui se passe? On dirait
sais bien que nous avons un nouveau défi. C'est parti! Oui, une barre chocolatée! Miam! J'adore ça! Du chocolat? Bah! Je devrais commencer puisque je suis la plus âgée. Merci bien. Voyons cela. Oh, une pâte à tartiner au chocolat. Miam! Je ferais mieux de l'ouvrir et de la goûter pour être sûre qu'elle est bonne. Heureusement que j'ai une cuillère. Comme ça, ça devrait aller. Mmm, délicieux. Oh, je pense que je peux faire une petite exception et en reprendre un peu. Comme ça, c'est parfait. Miam, miam, miam. Waouh, grand-mère, ça a l'air vachement bon. Voyons ce que j'ai. Oh, une tablette de chocolat. Je pourrais peut-être... Non. Et si je... Non plus. Mmm, c'est tellement bon. Oh non! Mais où est passé le reste? Oh mince! Je ne peux pas croire qu'il n'y en ait plus. Merci beaucoup. C'est exactement ce qu'il me fallait. Une petite seconde. J'ai une idée. Je vais le verser dans le pot. On le remplit doucement. Et voilà. Il est plein de lait. Bien, je remets le couvercle sur le pot. Très bien. Et maintenant, on le bouge un peu. Ouh, que c'est entraînant! Ça me permet aussi de faire un peu d'exercice. Bien, une fois qu'on a bien secoué, on ouvre pour voir le résultat. À présent, je vais y ajouter un peu de crème fouettée. Ce sera encore meilleur. Oh, regardez cette appétissante crème fouettée. Encore un peu, ça a l'air tellement bon. Et voilà, comme ça, ce sera parfait. Quelques vermicelles, il n'y a jamais trop de vermicelles. Je vais juste en ajouter un peu sur la crème fouettée. Pas trop non plus, juste une pincée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, c'est l'heure de ma sieste. Hé, cela me donne une idée. J'attrape mon fidèle sèche-cheveux et je fais fondre le chocolat. Haha, c'est tout mou. Maintenant, j'attrape des ciseaux et je coupe un angle pour le faire couler. Ensuite, je fais couler le chocolat par l'ouverture que je viens de faire. Oui, regardez tout ce délicieux chocolat. Trop bien. Encore un petit peu et voilà. Ben, ça n'a pas l'air très appétissant. Maintenant, j'échange avec celui de grand-mère. Comme ça, j'ai le meilleur goûter et elle le pire. Grand-mère! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Miam! Ça a l'air délicieux. Tiens, j'ai une paille. Miam! C'est vraiment incroyable! Merci, grand frère! Grand frère? Comment ça? C'est moi qui l'ai fait! Burk! Qu'est-ce que c'est? C'est du caca? Hein? Ça sent le chocolat? Ah, c'est du chocolat! Miam! C'est succulent! J'adore! Vous avez gagné tous les deux! Bon, eh bien, tout est bien qui finit bien! Maintenant, je veux des chips croustillantes et dorées! Waouh! Quelle bonne idée! J'ai hâte! Voyons ce qu'il y a là-dessous! Waouh! Génial! Une tortilla! Je suis certain que ça va marcher! Je la mets sur une plaque avec du papier de cuisson. Et j'ajoute un peu d'huile. Je verse un filet d'huile d'olive sur la tortilla. Il faut aussi que je la saisonne. Un peu de poivre fera l'affaire. Voilà, ça devrait suffire. Et maintenant, on enfourne. Pfiou ! Hé, qu'est-ce qui se passe ? Oh mince ! J'ai été distraite par mon tricot. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai ? Oh, une patate du jardin ! Que c'est original ! Il est temps de la découper pour en faire des chips. Et voilà, ma pomme de terre est coupée en tranches et prête à être transformée en chips. Elles ont la taille idéale pour le grille-pain. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elles soient cuites. Hein? Qu'est-ce que ça sent? C'est de la fumée? Oh, je la sens aussi. Ah! Oh non, ma tortilla! Tu ferais mieux de te dépêcher. J'ai tellement hâte que ma pomme de terre soit cuite. Ah, ça y est! Je vais les attraper. Génial! Ouille! Aïe! Aïe! Ouille! Chérie, attrape! Aïe! Grand-mère, c'est trop chaud! J'attrape dans ma bouche! Miam! Elles sont délicieuses, grand-mère! J'adore! Oh, je suis ravie que tu les aimes! Oh non, ma tortilla est complètement brûlée! Burk! Grand-mère a gagné! Ouais, c'est sûr, ce truc pue tellement! Maintenant, je veux des œufs! J'adore ça! Grand-mère, me permettez-vous de commencer? Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Ce sont des œufs, bien sûr. Grand-mère, pourrais-je vous emprunter une poêle? Mais bien sûr, j'en ai toujours une sur moi, au cas où. Merci. Maintenant, il faut que je trouve une idée. J'ai 3 œufs et une poêle à frire. Je vais bien trouver quelque chose. Je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire de tout ça. Et si je faisais comme ça? Ah, il réfléchit beaucoup trop. Voyons ce que j'ai. Incroyable! On dirait que j'ai moi aussi 3 œufs. Parfait! Je sais exactement ce que je vais en faire. Je vais d'abord faire bouillir de l'eau. Je ne comprends rien du tout. Et
Et voilà. Ensuite, j'ai besoin d'un réveil et d'un maillet. Il est temps de prendre notre revanche sur ce maudit réveil. J'ai besoin du ressort. Et voilà, un joli petit ressort. C'est exactement ce que je cherchais. Maintenant, je vais m'en servir pour mes œufs durs. Je vais les découper avec, comme ça, tout doucement. Et voilà, mes œufs sont coupés parfaitement au milieu. Maintenant, je redécoupe chaque moitié en deux. Comme ça, ces formes sont si mignonnes. J'adore! J'ajoute un peu de paprika et des graines de sésame pour la couleur. Mais alors, qu'est-ce que je fais avec les restes? Ah, je sais! Waouh! Celui-ci a complètement explosé! Maintenant les autres! Ouais! Je vais y mettre un peu de sauce piquante. J'ai une petite soif, je vais en prendre un peu. Ah, ça va mieux. Ah, c'est chaud, ça pique. Ouf, fiou, c'était vraiment chaud. Mes œufs sont parfaitement cuits. Oh, mon poussin, comment dire? Je suis sûre que ce sera très bon. Oui, des œufs. C'est ce que je préfère au petit déjeuner. Je vais commencer par goûter cela. Miam, trop bon. Oui, elle les aime. Bien, maintenant goûtons les autres, ma fourchette. J'adore les œufs au plat. Mais attendez une seconde. Burk, ils sont pleins de coquilles. Grand-mère gagne encore. Ces œufs ne sont pas dangereux. À présent, je veux des bulles. C'est rigolo. Grand-mère, regarde. Qu'est-ce que c'est? Yes, il est temps de découvrir mon ingrédient. Mais qu'est-ce que c'est? Comment je vais faire des bulles avec ça? J'adore le thé bien chaud le matin, surtout à la paille. Le thé, c'est succulent. Ah, ça me donne une idée. Je vais à nouveau me servir de mon sèche-cheveux. Je vais faire fondre ces bonbons. Ah, c'était désaltérant et délicieux. Très bien, je devrais voir ce qui se cache là-dessous. Oh, waouh, on dirait un énorme tas de chewing-gum. J'aime bien mâcher du chewing-gum de temps en temps. Je vais essayer de faire une bulle. Pas terrible. Je pense que je vais avoir besoin de plus de chewing-gum pour faire des bulles. Bien, je vais réessayer d'en faire une. Oh, elle a explosé. C'est marrant tout de même. Bon, je crois que j'ai besoin de plus de chewing-gum encore. Allez, hop! Je vais faire la plus grosse bulle qu'on ait jamais vue. En avant les bulles! La la la, j'ai fait fondre les bonbons. Oh là là, ça alors, je m'envole. Hein? Où va grand-mère? Waouh, elle est vraiment très haut. Bye bye, grand-mère. Bien, maintenant tous mes bonbons sont fondus. Pour la prochaine étape, il me faut une paille. Je fais placer le bout de la paille dans les bonbons fondus. Il faut qu'il en reste un peu au bout de ma paille. Et maintenant, je vais essayer de faire des bulles. Oui, ça fonctionne! Oh, elle a explosé! Génial! Le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut les manger. Waouh! Ouh là là, quelle drôle d'aventure! Grand-mère, tu es tombée de sacrément haut! C'était légèrement angoissant. Super! C'est l'heure des bulles! Où sont les bulles? Ton grand-mère, je ne sais pas, mais tu peux essayer les miennes. Parfait, j'ai justement une paille. Je souffle. Waouh, j'ai fait une bulle. C'est génial. J'adore les bulles et maintenant je peux même la manger. Miam, c'est trop bon. C'est ce que je préfère, tu as gagné. Oui, enfin. Bravo, grand-mère, tu as gagné. Oh non, je suis tellement déçue de ne pas avoir gagné. Je suis ravie que tu aies aimé ma cuisine. Grand-mère, je t'ai acheté des fleurs pour te féliciter pour cette victoire. Oh, tu es un adorable petit-fils. Wow, c'est difficile. Toute cette réflexion me donne faim. Je dois manger quelque chose. Psst, Jared, je pourrais peut-être t'aider. Regarde. Quoi? Donne-moi une seconde. Ça peut ressembler à une sandale ordinaire, mais elle referme un doux secret. Des bonbons de chaussures? Waouh! Ce sont les meilleurs! La prison n'est pas bonne pour le teint. Et je ne peux même pas utiliser de maquillage. C'est tellement injuste! Attends, ce barreau est vraiment poussiéreux. Je peux l'utiliser à mon avantage. Ça fait tellement du bien! Oh, regarde-toi, tellement pathétique! Excusez-moi, et vous alors? Toc toc! Je suis tellement heureuse de te voir! J'ai quelque chose de spécial pour toi. Chut! Il est temps de faire ma magie. Eh bien, bonjour à vous. J'aime les femmes en uniforme. Tu sais que je suis juste ici, n'est-ce pas? Ignorez-la. Tout ce qui compte, c'est ce moment juste ici. Je vous ai fait ces glaces à l'eau. Mais elles ne sont pas aussi douces que vous. Mon Dieu, quel charmeur! Ce serait impoli de dire non. Elles sont délicieuses. Elles ont été faites avec amour. Donnez-moi une seconde. Eh, prends ça! Pourquoi est-ce que je voudrais un esquimau? Tu sais quoi? C'est mieux que la nourriture en prison. Je vais goûter. Ça a un goût bizarre. Il faut l'ouvrir. Oh, d'accord, j'ai compris. Bon, où en étions-nous? Vous devez me donner la recette. Voyons voir ce qu'il y a ici.
Attends, je crois que je peux voir quelque chose. C'est du rouge à lèvres? Waouh, incroyable! C'est pile ce dont j'ai besoin. Tu m'as tellement manqué. Waouh, en plus, c'est la nuance parfaite. Jared a bon goût. Oh ouais, c'est de bonne qualité. Je me sens à nouveau moi. Je suis tellement heureuse. Ne le dis à personne, d'accord? Merci, t'es le meilleur. Je ferais mieux de le cacher. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Vous me manquez déjà, mais je dois partir. Appelez-moi. Quoi? C'est du maquillage? Ah, ça vous fait moins rire, hein? Attends, ce bel inconnu, il m'a roulé. J'ai tellement faim. Je me demande ce qu'il y a pour le dîner. Oh, on dirait que je suis sur le point de le découvrir. Burk, qu'est-ce que c'est censé être? Ça ressemble à de la bouillie. Je peux pas manger ça. Il me faut quelque chose de plus savoureux. Jared, j'ai besoin de ton aide. Cette nourriture est dégoûtante. Quoi? Non, je m'en occupe. Tu peux compter sur moi. Il me faut des provisions. Ça fera l'affaire. J'ai tous les favoris de Madison. C'est l'heure de partir. J'arrive, Madison. Bois, petite plante. Je pense que je suis au bon endroit. Attends. Oh oh, c'est pas bon. Comment je fais pour donner ça à Madison? Ça demandera toutes mes compétences en ruse. Mais je ne recule jamais devant un défi. Personne n'en saura rien. Bonjour. Oh, bonjour, jeune homme. Pourrais-tu arroser ma plante pour moi? C'est tout là-haut, je ne peux pas l'atteindre. Cette plante est vraiment grande. Bien sûr, je serai ravie de vous aider. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ça ne devrait pas prendre longtemps. On y est presque. J'espère qu'elle n'a pas vu ça. Oh, tu devrais avoir honte. La nourriture et les boissons sont interdites. Je suis vraiment désolée, je vais partir maintenant. Je t'ai fait confiance. Waouh, c'était une sacrée méchante dame. Oh, une guimauve. Il doit y avoir un moyen de faire entrer des bonbons en douce. Attends, je pense que j'ai trouvé. Je suis un génie. Je prends une brochette en bois et j'embroche des guimauves. Elles ont l'air délicieuses. Je vais les déposer sur cette feuille de papier de soie. Je ferai la même chose avec différents types de bonbons. Une fois que c'est fait, je les envelopperai avec du papier de soie. On dirait un bouquet de fleurs. Mais ça sent meilleur. Essayons encore une fois. Ahem, me revoilà. Waouh, quelle belle fleur. Laisse-moi les rafraîchir. Non, s'il vous plaît, elles viennent juste d'être arrosées. Oh, bien sûr, va tout droit. Peut-être que j'ai été trop dure avec toi tout à l'heure. Hé, Madison, c'est pour toi. Hein? Des fleurs? Quoi? Non! Comme si j'allais t'acheter des fleurs. Regarde ça! C'est gluant! Waouh, trop cool! Waouh, c'est parfait! Les friandises m'ont manqué! Merci, mon pote! Je fais juste ce que j'ai à faire. Je m'ennuie tellement! Je veux juste quelque chose de savoureux à manger. Mon estomac n'arrête pas de gargouiller. Il doit y avoir de la nourriture par ici. Peut-être qu'il reste une miette? Attends, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un peu dur. Eh, baisse le volume. Bonjour, je suis ici pour rendre visite à Jared. Vraiment? Vraiment? Tu ne caches rien de suspect, n'est-ce pas? Donne le sac. Je savais que vous diriez ça. Allez, vide-le. Et voilà, je le savais. Il en faut plus pour me tromper. Tu connais les règles. Sors d'ici. Oh, c'est trop méchant. Je voulais juste apporter quelque chose de sympa à Jared. Attends, peut-être que je peux encore? J'aurais besoin de cette jupe. Je vais y coller des barres de chocolat. Je vais les disposer tout autour. Ça devrait le faire. Agis naturellement, il ne soupçonnera rien. Rebonjour. C'est toi? Qu'est-ce que tu portes? Laisse-moi voir ça. Aïe, ça fait mal. Vous allez ruiner ma tenue. C'est de la haute couture. Oh, je comprends. T'es au top. Va tout droit. Youpi! Je suis moi-même un peu un aficionado de la mode. Psst! Hé, Jared, par ici! Madison, c'est toi? Je suis si contente de te voir. Regarde ma jupe. Je pense que tu l'aimeras. À moi, à moi! Waouh, tu dois avoir faim. Les bonbons m'ont tellement manqué. Je vais les savourer. Merci. Ravie de pouvoir aider. J'ai besoin de manger. Y a personne aux alentours? C'est ma chance. Y a-t-il quelque chose de meilleur que des chips? C'est comme un tube de délices croustillants. Je suis au paradis des chips. Vous êtes là depuis longtemps? Assez longtemps. Tu vois ce panneau, n'est-ce pas? On doit aussi vérifier ta vue. Aucune nourriture ou boisson n'est autorisée. Je ferais mieux d'apprécier cette chips. J'ai une idée.
J'aurai besoin de ce panneau. J'écrirai un message dessus. Mais je dois le sortir d'ici. Je suppose que ça va par avion. J'espère que ça marche. Waouh! Regarde le volet! Oh! C'était quoi ça? Y a un message à l'intérieur. De la nourriture? Oh, pauvre Madison! Je ferai n'importe quoi pour elle. Je ferai mieux de me changer. J'ai attendu ce moment. N'importe quelle excuse pour porter cette tenue. Waouh! Cette jupe est tellement légère! Où est-ce que c'était pendant tout ce temps? Je pourrais m'y habituer. Il faut que ce soit convaincant. Je ferais mieux de remplir ce seau. Madison adore sa boisson gazeuse. Et elle en aura. Il m'en faudra beaucoup. Mais je n'ai pas fini. Où est ma serpillière? Elle a besoin de quelques modifications. Je vais enlever le chiffon. C'est plutôt amusant. Je le remplacerai avec des bandes de bonbons. Je vais les superposer. Ça a l'air bien. Je peux la remettre sur le manche. Parfois, je m'étonne moi-même. Je pense que c'est tout. Je suis un maître du déguisement. Je ferais mieux de me débarrasser de ces chips. Oh, j'adore mon travail. Oh, c'est si drôle, je me demande ce qu'elle a d'autre à manger. Bonjour, je suis la nouvelle concierge. D'accord. Qu'est-ce que... Oubliez ça, regardez ce bazar, c'est honteux. Oh, je peux expliquer. Je ne veux pas entendre vos excuses, vous me décevez. C'est bon, je vais nettoyer. Je nettoierai tout, regardez. Je veux que ce soit impeccable. Je ne veux pas voir une miette. Je reviendrai bientôt. Ouf, elle était effrayante. Je ferais mieux de nettoyer ça. Oh, bonjour. C'est moi. Papa? Dis-moi que t'as apporté de la nourriture. Prends ça. J'en veux pas. T'as toujours détesté nettoyer. Regarde. Ce n'est pas une vraie serpillière, tu vois. Oh, c'est plutôt bon. Waouh, j'en reviens pas. Je les veux. Des bandes de bonbons. Délicieux. Il y en a plus. Je t'ai pris du soda aussi. C'est tellement rafraîchissant. Waouh, t'as pensé à tout. Ah, ça a bon goût. Qu'est-ce que je ferais sans toi, papa? Toujours là pour toi, ma chérie. C'est l'heure pour une petite sucrerie. J'ai hâte. Je vais faire passer cette barre de chocolat au niveau supérieur. Deux fois plus de chocolat, deux fois plus de goût. J'ai hâte de la goûter. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, qu'est-ce que je t'ai déjà dit à ce sujet? On ne s'amuse pas avec le chocolat. Il est parfait tel qu'il est. Je veux dire, regarde cette merveille. Hé, c'est à moi! Remets ça où c'était? Quoi? Tu es folle? Sors ce truc de là! Ça suffit! Qu'est-ce que tu es énervante? Attends, tu vois ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Cool! Regarde! Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Oh, des œufs et des spaghettis en noir, comme j'aime. Je n'ai jamais vu des œufs comme ça. Ils sont si colorés. Regarde, c'est si rose. Ce pauvre poulet. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est vrai que ça a l'air bon, hein? Attends un peu. C'est un cafard. Burk, quelle horreur! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste un insecte, détends-toi. Et il vient droit sur moi! Viens ici, toi. Bien joué, tu lui as bien foutu la trouille. Comment est-ce que tu peux toucher cela? J'espère qu'il n'y a pas de vilaine bestiole dans mon assiette. Oh, j'ai une idée. Oh, le voilà. C'est exactement ce que je cherchais. Merci beaucoup. Mets-le là, mon pote. Il est temps de se mettre au travail. Je vais vous en mettre plein la vue. Je n'ai qu'à ouvrir la boîte et placer un œuf à l'intérieur. Ensuite, je la referme. Il ne me reste plus qu'à attendre. 3, 2, 1, je tourne un coup d'œil. Waouh, ça a marché! Pas mal, hein? Ou devrais-je dire excellent? Ce serait même dommage de les manger. C'est tout? Suis-je censée être impressionnée? Je dois envoyer un message. Et voilà, j'ai payé pour une livraison express. Tiens, tu l'as bien mérité. Vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Ne reste pas dans cette boîte. Je t'ai prévu quelque chose de spécial. Allons-y. Tout d'abord, je dois enlever l'arrière de sa tête. Ça m'a beaucoup plu. Je mets l'œuf ici. Je referme tout. C'est l'heure du spectacle. J'appuie sur la poignée. Et ensuite, regarde. Il a des cheveux. Des cheveux aux œufs. Ils sont trop longs. Tu as besoin d'une coupe de cheveux. Je le mets dans mes pattes. Délicieux. C'est super doux et... Hein? Oh, ok, encore un truc bizarre. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. Cela devrait suffire. Cela a l'air savoureux. Il n'y a plus qu'à goûter. Ça m'a ouvert l'appétit.
C'est parti. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Burke, je ne pourrais pas manger ça. Je t'en prie, sers-toi. Burke! Voyons voir ce qu'on a maintenant. Tu vois ce que je vois, n'est-ce pas? Yahoo! Qu'est-ce que c'est? Waouh! Une fontaine de chocolat! Incroyable! C'est moi qui commence. Ok, je t'en prie, vas-y. Ouh, des biscuits. Je vais commencer par celui-ci. Je vais séparer le biscuit en deux. Je mérite une récompense. Ça me donne une idée. Je vais enlever la crème à l'intérieur. Oh, je sais. Je mets le biscuit ici. Puis j'ajoute la crème. J'empile la crème de chaque biscuit l'une sur l'autre. Mais ce n'est pas encore terminé. Il me faut un biscuit de plus pour mettre au-dessus. Pas mal. Maintenant, je le trempe dans la fontaine. Et le recouvrir entièrement de chocolat. Ça a l'air délicieux. À qui le dis-tu? J'en veux aussi! Cela devrait suffire. Regardez-moi ça, c'est une œuvre d'art. Ok, c'est mon tour. J'y crois pas! Un ballon? Waouh! Quoi? C'est une blague? Trouve-toi ton propre ballon. Celui-ci est le mien. Je vais le gonfler. Ouf, c'est difficile. C'est parfait. Maintenant, je le mets sur la fontaine de chocolat. Je vais couvrir la partie du bas du ballon de chocolat, comme ça. C'est amusant! Qu'est-ce que tu fabriques? Ok, j'ai compris. J'attends que le chocolat devienne dur. Il ne me reste plus qu'à dégonfler le ballon. J'ai fait un bol de chocolat. Mais ce n'est pas tout. J'ai des chamallows. Je n'ai qu'à remplir le bol. C'est de toute beauté. Et rien que pour moi. Qu'est-ce que j'attends d'ailleurs? Waouh, c'est comme manger un nuage. Et le chocolat? Délicieux. Je suis tellement jalouse en ce moment. C'est excellent. Tu veux goûter? Sois cool. Oui, pourquoi pas. Ce chamallow a besoin de chocolat. Oh, waouh. Je savais que ça te plairait. Vite! Ça urge! J'ai bu beaucoup trop de soda tout à l'heure. Qu'est-ce que... C'est vraiment dégoûtant. Elle a encore oublié de tirer la chasse d'eau. Regardez-moi ça. Non! Ma sucette! Oh, elle est coincée. Hein? Quelque chose qui la retient? Je savais que les monstres des toilettes existaient. Aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe encore? Waouh! Ok, je ne m'attendais pas à ça. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais te sortir de là. Oh, mais combien tu pèses? Non! Où sommes-nous? Waouh! Qui est-ce qui commence? Oh, très bien. Pierre, feuille, ciseaux. Coupe, coupe! Ça fonctionne à chaque fois! Waouh! Regarde ça! Un fruit du dragon! Je vais le couper en deux. Iya! Mes leçons de karaté portent leurs fruits. Attends. Oh non! Ce n'est pas la bonne couleur. De quoi tu parles? Il devrait être rose. Mais je sais comment y remédier. Je l'ai toujours à portée de main. Ça peut toujours être utile. Je vais faire injecter du colorant dans le fruit du dragon. Encore un peu. Et voilà. Prends-en de la graine, mère nature. C'est tellement mieux en rose. J'ai hâte de goûter. C'est juteux et délicieux. Tu as terminé? Je peux ouvrir le mien? Et j'ai un ananas vraiment triste. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il est parfait. Attends, il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Je pense que je dois opérer. Je ferais mieux de mettre mes gants. Je ne veux pas de mauvaises surprises. Ok, je suis prête. C'est parti. Je vais couper... Waouh, Burke, du slime. C'était pas si terrible que ça, finalement. Tu plaisantes? C'est tout gluant. Ouf, je crois que ça y est. J'ai terminé. Calme-toi, ananas. C'était intense. Tu as quelque chose sur le visage. Je sais, c'est ta faute. C'est dégoûtant. Prête? Allons-y. Intéressant. Il y en a plein. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte de goûter. Eh bien, c'est l'heure de manger. Je vais commencer par celui-ci. Ça a l'air bon. Aïe, mon doigt! Ah, ça te fait rire? Un peu. Tu dois utiliser le bâton. Comme ça, ce n'est pas difficile. Wow. Bien vu. J'en ai un. Attends, tu entends ça? C'est un minuteur. Non, c'est une course! Je dois me dépêcher. Je ne peux pas perdre. Comment elle s'en sort?
Je suis une machine à manger. Allez, allez, allez! J'ai une idée. Si je frotte ça sur sa manche, ça devrait devenir rose. Ah, ça a fonctionné. J'espère que tu as faim. Il y en a plus que tu t'imagines. Oh, ça ne diminue pas! Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Attends un peu. Celui-là a un drôle de goût. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde mes vêtements! Et mes cheveux! Je suis toi! Waouh! C'est trop cool! Non, non, ce n'est pas cool. Oh, ils ont arrêté de compter. Et regarde ça! J'ai gagné. Non, j'ai gagné! Sérieusement, c'est moi qui ai gagné. J'ai trop hâte de voir ce film. Pas si vite. Laissez-moi vérifier. Ta-da! Vous connaissez les règles. Pas de nourriture. Je n'ai rien sur moi. Je peux rentrer? Je ne suis pas convaincue. Je vais utiliser le détecteur. Oh! Vous allez bien? C'est bizarre. Elle m'a eu! C'est quand même impressionnant. Ça a marché à la perfection. Maintenant, je peux profiter du film. Allez-y! Vous ne pouvez pas mâcher comme tout le monde. J'aime faire une entrée remarquée. Je peux entrer? Quelque chose a l'air louche. Quoi? Quelle est cette odeur? C'est mon nouvel après-rasage. Ça sent la nourriture. Il est interdit de faire passer de la nourriture. Mais... ça va faire mal. Vous faire mal. Ouf! Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un peu exagéré. Mes friandises! Oh non! Je le savais! Je suis furieuse! Ce n'est pas ce dont ça a l'air! Je peux tout vous expliquer! Vraiment? C'est trop galère! Ce jeu est nul! Mais il me faut de l'aide! Un bonnet, c'est mieux que rien. Oh, j'ai une idée! Je vais cacher les friandises dans le bonnet. C'est trop malin! Ça devrait marcher. On y va! Bonsoir, gentille dame de la sécurité. Vous ne me jouez pas un tour, hein? Non, je veux simplement voir un film. Ok, allez-y. Oui, j'ai réussi. Oh, un message de Mandy. Dans 30 minutes, je devrais y aller. J'aurai besoin de ça. J'adore ce travail. Il est temps de jouer de mes charmes. Oups, il faut que j'aie l'air professionnel. Bonsoir. C'est une sucette? Vous plaisantez? C'est interdit! Je croyais que c'était une blague! Mais c'est ma sucette! Donnez-la-moi! Non! Allez, donnez-moi ça! Non! Lâchez! Arrêtez de résister! Donnez-moi cette sucette! Comment est-ce même possible? Aïe! Mes joues! Rendez-la-moi! Oubliez ça! Elle va dans cette boîte. Vous êtes méchante! Vous voulez ça? J'ai apporté les miennes. Ok, alors je crois que vous pouvez entrer. Merci. Désolée, excusez-moi. Enfin! Je crois que ces lunettes sont cassées. Suis-je bête? J'avais oublié que c'était des bonbons en fait. Trop délicieux. Je peux t'expliquer. Prends une paire de lunettes 3D et enlève les verres. Puis mets des bonbons bleus et rouges dans la monture et chauffe-les doucement. Les bonbons vont fondre. Étale les bonbons pour remplir la monture. Quand c'est fait, laisse-les refroidir et profite de ton film. Tu vois, je ne suis pas folle. Waouh, c'est hallucinant. Tu en as une autre paire? Génial. Trop bon!
Bonsoir, on vient voir le film. Vraiment? Il est interdit de faire passer de la nourriture. Vous voyez les criteaux? Allez-vous-en. Ah, mince. Je peux rentrer? Bien sûr. Au revoir, chérie. Désolée. Ça ne va pas être simple. Gluant. Comment faire pour rentrer? Il doit y avoir un moyen. Il faut que je trouve une idée. J'ai trouvé! C'est le moment de passer à l'action. Mais je dois faire vite. Quelle sieste! Hein? Où suis-je? Qu'est-ce que... Hé! Hey, vous! Tenez! Prenez ça! Ok, deuxième étape de mon plan. Je dois me débarrasser de ça. Ça y est! Fouille! Phew! Oh, je dois emprunter ça! Vous faites quoi, là? Je dois y aller. Bon, sois naturel. Personne ne se doute de rien. Je peux vous aider? Je dois entrer pour faire le ménage, ma belle. D'accord. Merci. Quelle bonne place! Je crois avoir mérité une friandise. Hé! Hey, rendez-moi mes vêtements! Désolée, un chewing-gum? Oh! Je voulais voir ce film. Qu'est-ce que j'ai manqué? C'est bon, ça! Bien essayé, mon pote. Pas de nourriture. Allez-vous-en. Viens, mon ange. Ça risque d'être compliqué. Pas d'excuses. Les friandises sont interdites. Vous les laissez ou vous partez. Là, on va avoir un problème. Comment entrer avec nos friandises? On y va, maman. Je m'ennuie. Attends un peu. J'ai une idée. On va te faire une nouvelle coiffure, mon cœur. Qu'est-ce que tu fais, maman? Ce beignet fera un mignon petit accessoire. Comment? Tu vas voir. Je vais glisser le beignet le long de tes couettes. C'est amusant! Tu es mignonne. Merci, maman. Allons-y. Bon film. Waouh, pas si vite. De la nourriture. Nourriture? Oh non, jamais de la vie. Bien. Et vous, mademoiselle? Salut! J'ai un doute. Bon, ça a l'air d'aller. Vous pouvez entrer. Asseyons-nous ici. D'accord, chérie? Oui, maman. Mangeons nos beignets. Ne bouge pas. C'est fou que ça ait marché. Tu m'as tiré les cheveux, maman. Hé, moins fort. Mange ça, mon cœur. Délicieux. Ces bonbons ont l'air trop bons. Prêt? Bonjour. Oh, chérie, je veux des friandises. Je les veux toutes. Tu n'en as pas besoin, crois-moi. Vous ne voulez rien? Non, on y va. Waouh, c'est un petit ami en or. Il n'y a pas de préposé au billet? Où sont-ils? Allô? C'est bizarre. Oh! D'où sortez-vous? Aucune importance. De la nourriture? Non. Mais vous avez un soda. C'est interdit. Regardez le panneau. Donnez-le-moi. Désolée, chérie. Mais ce n'est pas grave. Ok, vous pouvez y aller. Vite, entre dans la salle. On peut s'asseoir ici. Je suis encore en colère après toi. Ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Un t-shirt? Regarde de plus près. Oh, tu es trop bon. Oui, en effet. Ce sont des bonbons. Pour toi, mon amour. Pour mon mantique. Parfois, ça me prend.
Oh, je ne trouve pas le sommeil. J'ai un bouton là? Oh, rien ne fonctionne. Et maintenant, j'ai faim. Je ne fais que tourner en rond de toute façon. Oh, ça me démange. Surtout pas un bruit. La voix est libre. Coucou mon cher ami. J'en ai déjà l'eau à la bouche. J'y suis presque. Hein? Waouh, je l'ai échappé belle. Qui tourne. Qu'est-ce qu'on a là? Ça me plaît déjà mieux. J'ai déjà le goût du chocolat en bouche. Oh, Mindy. Hein? Pas tant que je suis là. Oups! Tu connais les règles. Au lit maintenant. Oh, zut! Oh, ces brocolis me donnent une idée. Oh oui! Les meilleurs brocolis du monde. Quel génie! Oh non! Hors de question! Ah, maman, t'inquiète pas, ce ne sont que des brocolis! Oh, je suis si fière de toi, Mindy! Manger sain, c'est génial! Waouh, pas facile à dessiner ces portraits! Mais je m'en suis pas mal sortie! Maman, qu'en penses-tu? Oh, j'adore! Le taux d'obésité chez les enfants est hallucinant! Les aliments transformés, Mindy ne mange que ça. Ce serait mauvais. Miam, miam, miam. Oh, les miettes! Pfiou, du calme. Chérie. Hé! Chut! Voilà. Et maintenant, pourquoi elle n'a pas pris une assiette? Oh, 1, 2, 3. Ça va mieux. Maman! Oh, trop de cric-crac! C'est trop bon, ça! Je devrais fermer les yeux. Non! Tu ne sais vraiment pas viser. Mindy! Je vais exploser! Pose ces friandises! Ça suffit! Pfiou. Quoi? Désolée, j'ai encore perdu mon calme. Je suis désolée, ma chérie. Merci. Hé! Chut! Pourquoi ma mère déteste autant les friandises? Mais elle aime bien mes dessins. Quand le pot à peinture est vide, remplis-le avec ton sirop préféré. C'est prêt! On dirait de la peinture, mais ça a un goût sucré. Pfiou! Mindy? On ne mange pas la peinture. Attends. C'est du sirop, maman. Oh, qu'elle est drôle. Je me suis énervée pour rien. Je sais exactement quelle tenue porter ce soir. Trop guindée. Encore pire. Trop stylée. Oula. J'ai dû forcer un peu trop sur la malbouffe. Pas moyen, on se débarrasse de tout ça. Je dis non, hors de question. Le sucre aussi doit dégager. Maman, maman! Quoi? Mon ventre gargouille! Je viens de jeter toutes les friandises. Je sais! Un smoothie de légumes devrait faire l'affaire. Ça a l'air bon, pas vrai? Oh, merci. Ça sent le pet! Alors ne mange pas! Hé! Hey! Qu'est-ce que je vais manger maintenant? Ces snacks sont encore bons en fait! Ils sont tous rien que pour moi! Les friandises de la poubelle à la rescousse! Tada! C'est du grignotage que j'entends! Mindy! Tu as trouvé les friandises que j'avais jetées? C'est mieux! Bon grignotage! Burk! C'est pas juste! Hé, le miel! Ça pourrait marcher! Il est temps de cuisiner! Avec le miel, on peut tout sucrer, non? Et c'est bon pour la santé! Il faut juste très bien mélanger.
Joli. Mais est-ce que c'est bon? Waouh! C'était génial! Regarde toute cette bonne bouffe. C'est appétissant, n'est-ce pas, nounours? Tu es le meilleur. Et maintenant? Pourquoi l'aspirateur s'est-il arrêté? Oh! Regarde cette porcherie! Et tu continues de manger? Ça suffit! C'est terminé! Hein? Pourquoi? Pour ça! C'est quoi ça, d'ailleurs? Non! Viens, nounours! Mais quelle diva, celle-là! Attends une petite seconde! J'ai une idée! Les nounours sont bien tous du rembourrage! Et si je le remplaçais par de la barbe à papa? Je vais le remplir! Je vais juste tout mettre dedans! Et voilà! Je suis revenue! Maman? Je peux? Et tu n'as plus de friandises à grignoter! A priori, c'est sans danger! Ok! Merci! Elle est loin de se douter que ma sucrerie est juste sous son nez! Ou plutôt, dans le dos du nounours! Délicieux! Ha! N'oublie pas, on prend juste l'essentiel! Je sais, je sais! Je veux juste un truc bon! Du soda, c'est exactement de ça dont je parle! Je reviens tout de suite! Ça arrive toujours! Ouh! J'adore les chips! C'est bon, j'ai terminé! Non, sans façon, tu ne peux en prendre qu'un seul! Je pense pas! Alors c'est comme ça, hein? Donne-moi ça! Non, arrête! Wow! Où est-ce qu'on est? Hé, regarde ça! C'est un bouton mystérieux! On devrait appuyer dessus? Ouais! Je peux plus attendre! Attends, je veux le faire! Oh, d'accord alors! Et voilà! Waouh, ça fait beaucoup de fromage! Hé, c'est pas juste! Ça sent tellement bon! Et c'est tout à moi! J'ai une idée! J'avais besoin d'une manucure de toute façon! Ça a l'air bien! Je pense que je suis prête! J'ai les doigts pleins de fromage! J'ai toujours rêvé de ce moment! Yahoo! Commençons à tremper! Waouh, c'est gluant! Et délicieux! J'en veux plus! À moi, à moi! Je suis au paradis du fromage! Vas-y doucement! Wow! Oups! Je vais bien, vraiment! Bon, je suppose que c'est ton tour! D'accord, c'est parti! Laisse-moi réfléchir! Je reviens tout de suite! Je vais cuire cette tranche de fromage! Mets-toi bien à l'aise! Ce ne sera pas long! Ça devrait suffire! Je ne veux pas trop le cuire! Je suis content du résultat! Je ferais mieux d'y aller! Regarde ça! Un cracker au fromage croustillant! Je vais le goûter! Waouh, c'est bon! C'était quoi ce bruit? Je me suis cassé une dent! Sois honnête, est-ce que c'est grave? À ta place, je ne sourirai pas de sitôt! Tu connais un bon dentiste? Alors, prête? Non! Décidons par un jeu! 1, 2, 3! J'ai gagné! Une montagne de guimauve? C'est tout ce que je reçois? Oh, allez! Miles a eu une montagne de guimauve! C'est magnifique! Je pense que je suis amoureux! J'aurais aimé avoir plus de guimauve! T'auras plus de chance la prochaine fois! Je vais bien les savourer! C'est tellement moelleux! C'est comme manger un nuage! Regardez ça! Ça accélérera les choses! Je n'ai jamais été aussi heureux! C'est le plus beau jour de ma vie! C'est ma chance! Pas touche! T'es méchant! Attendez! J'ai une idée! J'aurai besoin d'un micro-ondes! Je m'apprête à faire des merveilles en cuisine! C'est génial! Je devrais être chef cuisinière! Je vais lui donner un coup de chaud rapide! Je pense que c'est prêt! Jetons un coup d'œil! Exactement comme prévu! Une énorme guimauve! Voilà qui est mieux! Quoi? J'y crois pas! C'est plutôt bien, hein?
C'est normal d'être jaloux. C'est délicieux. J'adore. Je n'ai jamais rien connu de tel. Ça fond dans ma bouche. C'est la reine des guimauves. J'arrive pas à arrêter de manger. J'ai terminé. Wow. Top là. Je pense pas, non. Hein? Oh, désolée pour ça. Je ferai mieux de nettoyer. C'est l'heure du spectacle. Oh ouais. C'est quoi ça? Un seul nugget? Eh bien, c'est décevant. C'est une blague. Je veux parler aux responsables. Attendez une seconde. Et si... Je vais appuyer sur le bouton. Ça a marché. Il y a plus de nuggets. Je pourrais faire ça toute la journée. Continue comme ça. Et moi alors? Il y en a tellement. C'est bien mieux comme ça. Oh, donne-moi ce bouton. Tu pourrais dire s'il te plaît. C'est l'heure des nuggets. Est-ce que c'est cassé? Où sont mes nuggets? Peut-être qu'il a besoin de piles. Maintenant, si tu permets. Waouh, tellement délicieux. C'est quoi son problème? Ah ah, je sais. Je vais faire un sandwich. J'ai tout ce qu'il me faut. Je vais couper le morceau en deux. Ensuite, je vais le mettre sur le pain. Je vais ajouter un peu de ketchup. Maintenant, passons au fromage. Et ensuite, plus de pain. Mais je n'ai pas terminé. Je vais ajouter plus de couches. Ça a l'air bien. Je vais utiliser ceci pour le couper. Ça sera un carré parfait. Il reste encore une chose à faire. Je vais le badigeonner avec un œuf. Ça le rendra particulièrement savoureux. J'ai hâte. Je suis impatiente de le goûter. Maintenant, je peux le faire cuire. Je le veux bien doré. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Waouh, regardez ça! Exactement ce que je voulais. Je suis un génie de la cuisine. Ça sent tellement bon. J'ai mangé trop de nuggets. J'ai besoin de quelque chose d'autre. Quelque chose avec du goût. Je peux t'emprunter ça? Vas-y, sers-toi. T'es la meilleure. Ça améliorera mes nuggets. On n'a jamais assez de ketchup. C'est exactement de quoi je parle. Maintenant, je suis heureux. Je vais goûter. Waouh, c'est vachement mieux. C'est délicieux. Merci. De rien. Maintenant, je retourne à mon sandwich. Waouh, j'y étais presque. Je l'ai. Oh, mon estomac. J'ai besoin de nourriture. C'est quoi ce bruit? C'est un travail pour mamie. J'arrive, ma chérie. Hein? Où est-ce qu'elle va? Je donnais un spectacle ici. Il faut que j'enquête. Où est-ce qu'elle est passée? C'était fatigant. Mamie est là. Enfin! Est-ce qu'on peut en finir? C'est l'heure du défi culinaire. Ça va être génial. Allons-y. C'est qui? Ah, j'en avais besoin. Mieux vaut dehors que dedans. J'ai toujours faim. Vous devez me nourrir. Que faire? Laisse-moi réfléchir. Oh, la chose t'est là. Et tu m'as donné une idée. Mettons-nous au travail. Il me faudra du pain. Puis des blocs de fromage. Je vais disposer les blocs autour du pain. Ensuite, je vais les recouvrir de jambon. Ça va être tellement effrayant. C'est parfait. Il lui faut une manucure. Je vais utiliser des oignons pour les ongles. J'ai terminé. Je suis contente du résultat. Comment tu trouves? Ok, c'est terrifiant. Ça va, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as fait ça? C'était drôle. Je vais tout arranger. Laisse-moi faire. Il ne me laisse jamais tomber. Jetons un œil. Il y a tellement de poussière. Non, mais c'est pas vrai. J'ai des allergies, tu sais. Oups, désolée. Tu es vraiment sensible. Ça n'ira pas. Ah ah, c'est le bon. Ce sera spécial. Allons-y. Je vais superposer les crêpes les unes sur les autres. Je vais étaler de la crème dessus. Maintenant, quelque chose de juteux. Ces fraises feront l'affaire. Je vais les placer sur la crème. Ensuite, je vais rouler la crêpe. Je vais faire en sorte que ce soit bien serré. Jusqu'ici, tout va bien. Je vais la diviser en deux. Qui a besoin d'un couteau? Je vais la mettre avec les autres. C'est tellement coloré.
J'espère que tu vas aimer. L'ingrédient secret, c'est l'amour. Qu'est-ce que tu en penses? Wow, ça a l'air super! J'adore les bonbons. Quoi? Mais qu'est-ce que... Vous devez arranger ça. Tu peux compter sur moi. Peu importe. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si triste. Transformons ce visage renfrogné en visage souriant. J'ai mon panier juste ici. Il y a tout ce dont j'ai besoin. Commençons. Ah, ma préférée. C'est fait avec des fruits frais. Tu vas adorer. J'en ai plus. Il y a tant de choix. Laquelle devrais-je utiliser? J'utiliserai les deux. Je vais vider le bocal dans une casserole. Ensuite, je vais augmenter la chaleur. Je vais ajouter un peu d'eau, puis un peu de gélatine. Maintenant, je peux mélanger. Je veux que ça se dissolve. Ça a l'air bien. Je vais porter le mélange à ébullition. C'est parfait. J'aurai besoin d'une seringue. Je vais aspirer le mélange. Ça sent très bon. Ensuite, je vais le mettre dans un moule. Je le remplirai à ras-bord. Maintenant, je vais utiliser l'autre confiture. Je dois les laisser durcir. Je peux les sortir du moule. De mignons petits oursons en gélatine. Ça ne peut pas être mieux. C'est pour toi. Ils ont l'air adorables. Je sais que tu les aimeras. Oh, beau travail, mamie. Et toi, mercredi? C'est censé m'impressionner. Où est la nourriture? Que faire? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? La confiture, mais bien sûr. Bonne idée. Je prends ça. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je vais la verser dans la poêle. Je vais utiliser tout le pot. Ensuite, il me faudra de l'eau. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Ah, de la gélatine. Je vais ajouter du colorant alimentaire. Ça doit être noir. C'est ma couleur préférée. Je vais tout mélanger. Ça a l'air bien. Encore un peu et ça ira. Ok, je suis contente du résultat. Maintenant, j'ai besoin de la seringue. Ça facilitera les choses. Ça devrait suffire. J'ai besoin d'un gant pour cette partie. Je vais le remplir avec le mélange en gélatine. Je fais un nœud à l'extrémité, puis j'attends. Regardez ça. Besoin d'un coup de main? Oh, je vais pas manger ça! Oh, j'ai travaillé dur là-dessus. Mamie l'emporte cette fois. Ce n'est pas une décision difficile. Désolée, mercredi. Merci, mamie. C'était un plaisir. T'as rendu cette vieille dame heureuse. Quel défi délicieux! Selon vous, qui avait le meilleur plat? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de super vidéos comme celle-ci. Il fait si beau dehors! Qu'est-ce que c'est? C'est parti! Hein? Waouh! Hé, j'en ai deux maintenant! Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Peu importe, je vais me garer là. Dommage, il n'y a pas de voiturier. C'est quoi cet accoutrement? C'est carrément démodé. T'as trouvé une de ces boîtes magiques? J'aurais besoin de quelques sucreries en plus. D'accord. Pourquoi elles ne ressortent pas? Y a quelqu'un là-dedans? Oh. Oh, la pauvre! Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Waouh! Y a plein de trucs! Hein? Mais non! Génial! C'est à moi! Je ne crois pas, non. Donne-moi ça, je te dis. Excusez-moi, les filles. Quoi? Un défi de cuisine? Oh oh! Ah! C'est quoi cet endroit? Que le défi commence! Et pour bien commencer, du chocolat! Mais qu'est-ce qu'on est censé faire de ça? Je ne comprends pas. Délicieux. Je sais qui appeler. Vous êtes disponible tout de suite? Évidemment! Évidemment! Merci. Voilà, c'est fait. Tiens, prends ça. Sérieux? C'est le plus beau jour de ma vie! Plus il y a de chocolat, mieux c'est. Ah, le voilà. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as jamais vu de bonbons avant? Regarde. Allez là! Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Oh, c'est ridicule! Oh. Comme si je ne pouvais pas me payer des bonbons. Oh, tous ces billets! Qu'est-ce que... C'est de l'argent? Eh oh, j'ai besoin de pièces! Ah, je les ai! Je les garde! Oh, je n'ai pas une seule pièce! Regarde-la! Elle est cinglée ou quoi? C'est que de l'argent, chérie! Ah, oups! Il faut que je passe un coup de fil, moi aussi! Quoi?
Oh oui, c'est un vieux téléphone. Voilà, ça devrait marcher beaucoup mieux. Bonjour. Ouais, Pep. Je veux dire oui. Oh, ma chère. Je t'appelle plus tard. Ça arrive. Bien sûr. J'ai une commande pour Madame Naomi. Bonjour. Bonjour. Occupez-vous de ça, s'il vous plaît. Oh, c'est vrai. Est-ce que ça suffit? Voyons voir. Très bien, madame. D'abord, nous allons faire fondre le chocolat. Ensuite, prends un ballon dégonflé. Et mets le chocolat dedans. Fais un nœud bien serré, c'est bon. Puis, place-le sur le scotch. Appuie dessus avec une cuillère à glace et bloque-la avec le scotch. C'est l'heure du congélo. Une fois que c'est fini, tu as un parfait petit bol en chocolat. Il faut enlever le ballon, bien sûr. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. Un peu de framboise, ça passe toujours. Et beaucoup de crème fouettée. Et voilà, prêt à être dégusté. Très bien. Bonne journée. Attendez. Oui. Vous pourriez m'en faire un? Je n'ai plus rien sur moi. Oh, quelle toupet! C'est trop injuste. Bien fait pour elle. À moi. Oh, de qui je me moque? Voilà. C'est absolument divin. On a un point chacune? Hé, moi ça me va. Peu importe. Attends une minute. Sur quoi je suis assise? Oh, j'avais oublié que j'avais ça. Tu l'avais depuis tout ce temps? Incroyable. On la joue en une fois? Pierre, feuille, ciseaux. Les ciseaux coupent le papier. Waouh, regarde tous ces œufs frais. D'accord, c'est quoi le délire? Qu'est-ce que je m'ennuie? Attends voir. Je pourrais appeler l'inspecteur Gadget. Il fera le travail à ma place. D'accord. Waouh, quoi? Salut. Hein? Il paraît qu'on a besoin de moi. Toutes les réponses sont là-dedans. Oh oui. Quoi? On a envie de jeter un coup d'œil. Oh, j'y crois pas. Regarde tous ces gadgets et ces machins. Hep, patience. Bien sûr. Tenez. Merci beaucoup. Je peux le prendre maintenant? Ça a l'air d'enfer. Merci. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser avec ce truc. C'est quoi? Une poêle? Naomi! Quoi? Et si on échangeait? T'en es sûre? Bon, d'accord. Là, on peut discuter. Je vais prendre un œuf. Mais qu'est-ce que je suis censée en faire? Je n'ai jamais cuisiné d'œufs avant. Yeah! Ça m'a l'air pas mal. Et... attends! Oh! Je crois que je m'améliore. Bam! Encore un! Bim! À bientôt, les petits gars. Je dois savoir quelque chose qui pourrait m'être utile. Voyons voir. Une tomate? Je ne pense pas. Ça? Burk! Dégueulasse! Allez, il faut que je trouve quelque chose. Non. Finalement, ça pourrait marcher. Il faut juste bien les faire chauffer. Plus il y en a, mieux c'est. Faites monter la température. Et écrasez. Waouh, le jaune d'œuf sort parfaitement. Ce truc est plutôt brillant. Et il cuise très bien. Il est temps de les mettre dans l'assiette. Tada! C'est beau, hein? Ils sont pas mal, mais les miens sont mieux. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Burk, je ne comprends pas. Eh, je crois que la victoire est assez évidente. On soulève. Oh, des biscuits. Qui n'en voudrait pas, franchement? J'imagine que c'est une bonne nouvelle. Oh, du lait? Oh, eh bien, tu sais quoi? Prends-le. Non, toi, prends-le. Toi. Allez.
Oh, non, non, non. Bon, d'accord. Merci. Hé, sérieusement? C'était juste pour être poli. Donne-moi ce lait. Pas question, il est à moi. Je le mérite plus que toi. Non! Oh, regarde ce que tu as fait! Oula! C'est pas mon problème. Oh, je ne peux même plus les manger maintenant. Ils sont tout imbibés. Attends! Je sais ce que je vais faire. Mets deux biscuits dans une tasse. Et ajoute-y du lait. Une fois que tu les as bien écrasés avec une fourchette. Verse-y une demi-tasse de farine et un peu de cacao. Mélange bien le tout. Et une fois que ça ressemble à ça, il est temps de le faire chauffer. Mets-le au micro-ondes. Pas besoin de couvercle. 10 minutes, ça devrait suffire. Et voilà. Regarde ça! J'ai fait un joli petit gâteau au chocolat maison. Waouh! Mmh. Ah. Comment suis-je censée rivaliser avec ça? Tout ce que j'ai, ce sont ces vieux biscuits. Il faut que je trouve une solution. Il y en a 5. J'ai trouvé! Restons calmes. Commençons par étaler de la pâte à tartiner sur une pâte à tarte. En veillant à ce qu'il y en ait bien partout. Yam! Une fois que c'est bien lisse, dépose tes biscuits par-dessus et du chocolat blanc. Sans oublier quelques vermicelles. Ou dans mon cas, beaucoup de vermicelles. Et voilà! Trop bon! Hein? C'est toi qui as fait ça? C'est stupéfiant! Et ça aura un goût encore plus fantastique. Je veux une belle grosse part. Hein? Oh non, j'en ai déjà plus! Dommage! Moi, je l'attaque juste. Bon appétit! Naomi, est-ce que tout va bien? Tu as l'air tellement triste. Très bien, tu peux prendre une part de ma tarte. Juste une part pour goûter. Ouais! Tiens! Voilà ta part. Ne la mange pas trop vite. Alors? T'es la meilleure! Merci! Eh bien, j'essaye. Oh, c'est trop bon! Je suis très impressionnée, Eva. Et c'est pourquoi cette tarte gagne ce round. Je sais, pas vrai? Attends, je croyais qu'on y allait ensemble. D'accord. Voilà, du sucre. Du vrai et délicieux sucre en poudre. Mais qu'est-ce que je suis censée faire de ça? Il faut que je trouve quelque chose. Et si je le mélangeais un peu? C'est nul. Et si je le mangeais? Oh! Ouais, disons que ça passe. Une étoile? Je crois que je tiens quelque chose, là. Waouh! C'est mignon! Qu'est-ce que ça fait si je l'enlève? Dommage. Je ne peux pas supporter ça plus longtemps. J'ai besoin d'aide de toute urgence. À l'aide! Hein? Il y a quelqu'un qui arrive? J'y vois à peine! Je ne comprends rien à ce qui se passe. Hein? C'est quoi ça? Super! Le colis est arrivé! Phew! Cette fois, j'ai du pain sur la planche. D'abord, mets le sucre là-dedans. Puis ajoute du colorant alimentaire de la couleur de ton choix et c'est parti! Tu vois déjà quelque chose? Oui! C'est le début de la barbe à papa! Et avant même de s'en apercevoir, on a une grosse boule de sucre! Merveilleux! Waouh! Ça mérite certainement un point! Et maintenant, on dirait qu'on est à égalité! Mais tu as l'air tellement abattue! Je peux bien partager! Tu en veux, Naomi? Vraiment? Génial! Avec plaisir! Non! Hein? Attends, trempe-la là-dedans. Oh, bonne idée! Elle disparaît juste sous mes yeux. C'est magique! Il n'y en a presque plus. Regarde ce que j'ai. Oui, c'est génial. Comme ça, on a toutes les deux notre dose de sucre journalière.
Vous voulez voir un truc dégoûtant? Ou doux, selon votre perception des choses? Quelqu'un veut du gâteau? Celui-ci va être vraiment spécial. Fait avec amour, bien sûr. Il y a tant de couleurs. Un peu de noir, c'est sympa. Et plein de verres ondulés. Plus de chocolat, s'il vous plaît. Parfait. Et ça! Les cornichons sont mes préférés. Hein? Tu es en train de tout gâcher. Non, je t'aide. Tout le monde aime les fruits frais. C'est bon pour toi. Arrête! S'il te plaît! Quoi? Plus de fruits? Ça ne va pas du tout ensemble, ok? J'ai dit d'arrêter! Interdiction de mettre des fruits! Est-ce que tu vois ce que je vois? Les toilettes! Oh non! Mais qu'est-ce que... Hein? Où est-ce qu'on est? Intéressant. Je suis un peu nerveux. Oh! Du chocolat? Je ne suis pas fâchée. En fait, je suis plutôt contente. Et je vais ajouter ceci au mélange. Voilà, parfait. Ensuite, place au chocolat. Je le veux foncé et fondu, comme mon cœur. Oh, quelle toile complexe je tisse, aussi complexe que magnifique. Et dans ce cas-ci, délicieuse. Impressionnée? Vous devriez l'être. Je me sens plutôt inspirée. Regardez juste ce truc géant. Tant de potentiel. Et j'ajoute mon fruit préféré. Ça va être génial. Voilà! Oh ouais! D'accord, peu importe. Laissez-moi réfléchir. Attendez! Les enfants ne veulent jamais manger leurs fruits. Ils veulent du chocolat. Mais c'est ça! Je dois les combiner! Mais comment? Tout a fondu! Mais peut-être que c'est une bonne chose. D'abord, versez-le dans un bol. Ensuite, plongez la pomme. Waouh, c'est ravissant! Regardez tout ce chocolat. C'est vraiment quelque chose, hein? Mais pourquoi ne pas ajouter quelques vermicelles? Ça devrait être amusant. Quel enfant ne voudrait pas ça? On ne dirait pas qu'il y a une pomme en dessous de tout ça. Je n'y crois presque pas. Oh oui! Est-ce que c'est une araignée? Tellement dramatique. Tout le monde, restez calme. Attendez, où est-ce qu'elle est passée? Ce n'est pas bon. Laissez tomber, je vais me changer. Puis-je? Ou ensemble? Très bien. C'est de la glace. Attendez une minute, je suis un génie ou quoi? Pourquoi ne pas mettre ces biscuits à bon usage? Rien ne va mieux avec de la glace. Du chocolat sur du chocolat, bébé. Je peux presque y goûter. C'est tellement crémeux. Et pour couronner le tout, quelques miettes de biscuits, évidemment. On dirait de la terre. Comme une tombe. Quoi? C'est tellement morbide. La glace est censée être amusante. Attendez. Comment c'est arrivé là? Hein? Je ne la vois pas. Non. Waouh, ce truc est immense. Oups. Attendez, c'est quoi ce petit truc? Une étoile? Dieu merci. En vrai, je peux travailler avec. Mais je vais commencer par ceci. Je vais transformer ce dessert en vedette. C'est tellement crémeux. Waouh, maintenant je la referme. Et tout à coup, c'est un sandwich à la glace. Sur un bâton pour être précis. Un filet de chocolat ne peut pas faire de mal et quelques vermicelles en plus. N'est-ce pas adorable? Dégustons! Hein? Non, je ne devrais pas. Mercredi, volontiers. Et un petit plaisir pour moi. Délicieux. Bonjour. Qui est-ce? Brian, qu'est-ce qui se passe? Hein? Laisse-moi partir. Hé, gamin, un coup de main? Sortons tous d'ici. Ça a marché. Incroyable! Hein? Regarde ce que tu as fait. D'accord, chapeau bas. Prêt pour un peu de bouffe?
La mienne a l'air plutôt appétissante et j'adore la couleur. Rouge sang. J'aime ça. En fait, rendons ça plus intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Attends. Voici comment j'ai fait. Comme si j'allais utiliser un vrai cerveau. Je veux dire, je pourrais, mais je ne l'ai pas fait. Juste beaucoup, beaucoup de glaçage. Ça te fait réfléchir, n'est-ce pas? Et quand on ajoute de la gelée, les choses prennent vraiment vie. Malin, je sais. Intéressant. Contente que tu penses ainsi. Miam, et le tien? Ça a l'air plutôt délicieux. Un genre de cake aux fruits. Oh non! Attendez, j'ai une idée. Vous savez ce qui pourrait m'aider? Parce qu'il m'en faut, c'est sûr. Je ne suis pas étranger à la chirurgie et ce cake ne fait pas exception. C'est exactement comme sur la table d'opération. Tout est une question de garder une main ferme. Mais cette fois, ce n'est pas la peau. C'est du fondant. Pas de panique, tout se mettra en place. Faites juste confiance au processus. Ouais, un peu plus. Vous voyez ce que c'est maintenant? Encore un. Je dois signer mon travail. Pareil qu'un vrai plâtre. Ce pied sera bientôt guéri. Qu'est-ce que tu en dis? Plutôt sympa, mais je préfère le mien. Délicieux. Alors? En même temps. Tada! Beaucoup de fromage? Attendez, j'ai d'abord un peu de travail à faire. Je suis prêt. Prenons quelques mesures. C'est bon, je les ai prises. Il est temps de commencer à empiler un ingrédient à la fois. Ajoutons du jambon, des tranches de concombre pour la victoire. Mais qui veut un grand morceau quand on peut avoir plein de mini sandwichs? Voilà une astuce futée pour empiler les choses. Oui, jusqu'au bout. Voilà, maintenant il faut tout sortir. Allez, poussez! Les voilà! Juste magnifique! Et cette précision! Regarde-moi ça! Comment je vais associer tout ça? Mon balai! Attendez, j'ai trouvé! Regardez bien cette magie! Tout ce qu'il faut, c'est un peu de découpe minutieuse. Maintenant, tranchez celui-ci seulement à mi-chemin et de côté aussi. Le bretzel est la poignée. Et les tranches de fromage sont les brosses. Vous le voyez maintenant? Une assiette de petits balais. Alors, impressionné? Le mien! Le mien est meilleur. Oh! Moi d'abord? C'est un récipient de quoi? Je suppose que je devrais le découvrir. Alors? Jetons un coup d'œil de plus près. Je suis très mal à l'aise. Je vois ça. Ah, c'était intense. Je sais exactement quoi faire. Mais d'abord, on fait le plein. Voilà. Ajoutons-en encore un peu. Regardez-moi ça! Voilà, tout y est. Le globe parfait. Et maintenant, dessinons. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Moi, je peux le voir. Et vous? Oui, vous les voyez maintenant. Deux magnifiques globes oculaires. Plutôt cool, non? En vrai, oui. Qu'est-ce que je devrais faire avec ça? Un rouge si profond. J'ai trouvé! J'ai juste besoin de mon kit. Je pense que c'est ici. D'où est-ce que ça sort? Waouh! Je ne me souviens pas avoir utilisé ça. Attendez, c'est ça. Il me faut juste le morceau du milieu. Un peu de blanc au milieu. Ça ressemble à un pansement, non? Waouh! On dirait vraiment un vrai. Mais je peux manger celui-ci, n'est-ce pas? Ouais, plutôt malin. Merci.
Ils sont d'un bleu profond. Oups, j'ai fait tomber les yeux. Tu veux ça à la place? Non. Eh bien, c'est embarrassant. Avez-vous aimé cette vidéo? Partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et j'étais comme... Comment ils sont arrivés là? Je m'en fiche. Pareil. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Nouvelle chemise? Des macarons? Bizarre. Prête pour votre premier défi? Maintenant, allez-y. Je sais. Vous voyez ces pétales séchés? C'est mon ingrédient secret. Je les plonge dans de l'eau chaude et j'attends cette explosion de couleurs. Voilà. Maintenant, tu ajoutes ce que tu veux teindre. Apporte les nouilles bleues. Ça arrive vraiment, tu vois? Comme c'est cool! Du citron, le jaune le transforme en violet. Si joli! Maintenant, j'ai juste besoin d'une touche de rose. Ou plutôt, une pincée. Qu'est-ce que vous en pensez, juge? Joli? Assez nul. J'ai quelque chose de bien mieux. Oh ouais! Attendez de voir mes nouilles. Du colorant alimentaire noir, bien sûr. Ensuite, j'ajoute l'eau bouillante. Reste au chaud là-dedans. Mélangeons bien. Je veux répandre cette couleur. Sérieusement? Presque. C'est l'heure de la grande révélation. On a des nouilles noires, les amis. Vraiment génial. Elles ont l'air assez bonnes pour être mangées. Alors, tu veux les essayer? Je le veux certainement. Mais je ne suis pas si sûre de celles-là. Je vais passer. Celles-ci sont bien plus appétissantes. Regarde ça. Waouh! Elles sont bonnes en plus. Bien joué! Ouais, j'ai réussi! De toute façon, qui aime les nouilles roses? Nous, on les aime! D'accord, les filles, écoutez-moi bien. Cette boisson gazeuse claire est tellement ennuyeuse. Faites quelque chose, d'accord? Oh! Oh! Je suis intriguée. Faisons éclater ces bulles. Wouhou! Moi d'abord. Tu vois ça? Burk! Non, merci. Oh, c'est dangereux. Oublie ça. Quelque chose me dit que tu n'aimeras pas ça non plus. Maintenant, remuons vraiment bien le tout. Oh là là! Voilà ce dont je parle. Sérieusement? Waouh, pas mal. Mais qu'est-ce que je fais du mien? J'ai du chewing-gum et une bouteille entière de bulles. Allons-y. Transformons cette fête ennuyeuse en une fiesta de bulles. Elles sont déjà en route. Laissez-moi vraiment démarrer la fête. Regarde, c'est rose. Tu vois ça? Waouh! Fini! Peu importe. Voilà! Waouh! Alors, c'est un peu funky, mais ça va. Regardez ça! Cool! Tu as gagné! Ouais, je le savais! Qu'est-ce que j'ai eu? Joyeux anniversaire! J'ai fait ça juste pour toi. Ah ouais? Oui! Non merci! Je suis restée éveillée toute la nuit pour le faire. Est-ce que c'est un jour spécial pour quelqu'un? Joyeux anniversaire! C'est pour toi! Waouh, merci! Tu te moques de moi? J'en ai marre de cette fête. Tu veux un anniversaire explosif? Tu as réussi! Waouh! Bravo! Qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, ne me regarde pas. C'était vraiment drôle! Ah ouais? La fête est finie! C'est quoi cet endroit? Allô? Oh, où est-ce qu'on est? Où
bien. Exactement. Prête pour votre défi, les filles. Ça a l'air appétissant, non? Quoi? Je l'ai. Voilà. Regarde. Attends. Je ne peux pas manger ça. Mais ce pain fraîchement cuit au four, je peux certainement manger ça. Il suffit de faire quelques ajustements. Voilà. Maintenant, ça ressemble à une sandale. Une chaussure comestible, mesdames et messieurs. Sérieusement? Qui porterait ça? Je ne peux pas utiliser ma chaussure, n'est-ce pas? Je peux faire encore mieux. Regardez ça très attentivement. Je dois d'abord faire le talon. Maintenant, pour des bords lisses. Et on dirait une chaussure. Mais elle a besoin de quelques embellissements. Une décoration délicieuse. Les Skittles étaient certainement la meilleure option. On verra. Waouh, donnez-les-moi. D'accord. Profites-en. Waouh, c'est génial. À la vôtre. Trop dur. Pas la peine de se casser une dent. Ha! Et ça? Fruité. Ouais. Eh bien, ça signifie que j'ai gagné. Yeah, moi. Qu'est-ce qui est si drôle? Hé, allô? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Je suppose que vous pouvez faire ça. Une sucette? Je ne sais pas. Youhou! À l'aide, s'il vous plaît! Vos bonbons, mademoiselle. Avec un emballage doré, bien sûr. Waouh! Regardez comme c'est brillant. Mais j'ai encore du travail à faire. Waouh! Ça colle directement. N'est-ce pas que c'est joli? Waouh! Ça a l'air tellement chic et cher. Ah ouais? Allô? Tiens! C'est quoi ça? D'accord, très bien. Un vieux chou de Bruxelles? Je sais. Regarde et apprends. Personne ne veut manger ça. Alors donnons-lui un déguisement. Une surprise crémeuse au chocolat. Des vermicelles? C'est délicieux, n'est-ce pas? Chou de Bruxelles, c'est qui ça? Vous voulez du chocolat? Vous voilà! Ça a l'air bien! Ce sont des vermicelles? Les arcs-en-ciel sont mes préférés! Burk, ça a le goût de la poubelle! Tu veux dire des choux de Bruxelles? Burk, pas cool! Mais essayons voir ça! Délicieuse! Merci! Pas toi! Ouais, celui-là, je l'avais dans la poche! Prête pour la suite! Ça sent bon! Amusez-vous bien! Café? Je ne le fais pas habituellement moi-même. Allô? Ouais, comme d'habitude. Waouh, merci. Mais ce n'est pas très chic. Mais je peux régler ça, pas de souci. Un stylo à cannelle à la rescousse. Prêt? Voici l'épice, chérie. Fais avec amour. Ça va être tellement bon. Regarde-moi ça. Waouh! Vous voyez? Je ne suis pas inquiète. Quelqu'un? Allô? Hein? Je dois tout faire moi-même. Je pense que j'ai quelque chose. Voilà. Waouh! Prête à voir un peu de magie. Utilisez le cœur comme pochoir. Ensuite, saupoudrez la cannelle par-dessus. Voilà. Maintenant, regarde. Ça a marché! La tasse parfaite! Tu aimes? C'est pour toi. Ouais, bois tout. Je ne vais pas me gêner. Oh, j'adore les cœurs. Tu es la plus adorable. On a toutes les deux gagné. Non. Alors? D'accord, très bien. Avez-vous aimé cette vidéo? N'oubliez pas de la partager avec vos amis et de vous abonner pour ne jamais manquer le divertissement. J'ai super faim, mais je suis coincée en salle de colle. C'est trop nul d'être punie parce qu'on est en retard.
Ça suffit, j'ai besoin de manger quelque chose tout de suite. J'ai ce paquet de cookies, il doit bien rester quelque chose à manger là-dedans. Les miettes m'iront très bien, allez dans ma bouche. Attends, c'est tout? Non! Il doit bien y avoir quelque chose d'autre que je puisse grignoter. Peut-être ici? Ouais, je savais que j'avais collé un bonbon là derrière. Oh yes! Tout ce dont j'avais besoin. C'était très bon, mais j'ai encore faim. Monsieur? Hé, monsieur le professeur? Je peux aller aux toilettes? C'est non! Vous êtes en retenue. Mais regardez le nombre de lignes que j'ai déjà écrites! C'est pas assez. Continuez. J'arrive pas à croire qu'il soit juste assis là à me regarder. Oh, il est occupé. C'est l'occasion de passer un appel. David, je suis en salle de colle. J'ai trop faim. J'ai besoin de ton aide. Sérieux? Tu veux que je voie si je peux faire quelque chose? Hein? Hé, hey, c'est l'heure de passer à table. Ok, voyons voir. Il y a le prof assis à son bureau. Oh mon Dieu, je suis là. Attends. Oh mon Dieu, non, c'est David. Hé, hey, je suis là. Hé, hey, Madison, je suis là. Attends. Ok, je prends ce skateboard. Je vais y ajouter quelques snacks. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre du ruban adhésif à ces sachets et les coller sous la planche. Je vais la remplir de toutes sortes de friandises. Maintenant, je dois livrer ça à Madison avant qu'elle ne meure de faim. Hé, hey, regarde ça, je suis un génie. Ok, il est prêt à être expédié. Oh mon Dieu, il m'envoie son skate. Je l'ai. Voyons voir ce qu'il m'a envoyé. Ouais, il a assuré. Regardez tout ce qu'il y a. Oh mon Dieu, ça sent bon! Yes! Il n'a rien remarqué! Salut! Voici mon billet électronique pour le film. C'est bon, vous pouvez y aller. Salut! Je viens voir le film. Voici mon ticket. Je dois contrôler votre sac. Oh, sérieux? Ok, voilà. Je vais le vider. C'est tout ce que j'ai sur moi. Quoi? Des bonbons? Je dois vous les confisquer. Méchant! Ah, je fais juste mon travail. Oh non! Cet agent de sécurité n'est pas incommode. Il y a peut-être quelque chose à faire, ceci dit. Oui, bien sûr! Je peux utiliser mon maquillage, c'est la solution. Ok, d'abord je dois me débarrasser du maquillage actuel. Et maintenant, ma brique de jus de fruits. J'adore ça. Je vais en aspirer dans cette seringue. Ok, ça devrait être assez. Maintenant, j'ai juste à l'ajouter dans le récipient du gloss. Je vais le remplir autant que possible. Voilà. Et maintenant, je remets le bouchon dessus. Il faut bien le fermer. Je ne voudrais pas que ça coule dans mon sac. Très bien. Pas moyen qu'ils disent que ce n'est pas du maquillage. Regarde, je peux l'appliquer sur mes lèvres et c'est trop bon. Très bien. Il est temps d'aller voir ce film. Oh, stop. Je sais que vous voulez regarder dans mon sac. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vider pour que vous puissiez bien voir. Ouais, j'avais des sucreries, vous pouvez les prendre. Allez à la poubelle, bye bye! Mais ça, c'est mon maquillage, je peux le garder, non? J'en ai besoin pour garder mes lèvres humides. Je me fiche du maquillage. Allez-y. Super, merci. Passez une bonne fin de soirée. Cette fille était bizarre. Cool! J'ai réussi à entrer dans le cinéma avec mon jus de fruits! En parlant de ça, j'ai envie d'y goûter maintenant! Arrêtez-vous! Pas de nourriture ni de boisson dans cette fête! Oh non! Il vient de renvoyer ce type qui avait à manger! Comment je vais faire avec mes bonbons? J'en ai besoin! Je vais tous les manger! C'est trop bon! Oh, je peux en cacher un peu ici! Dans mes manches et dans mes chaussettes! Ok, ça devrait marcher. Il est temps d'aller à cette fête. Laissez-moi voir. Vous avez de la nourriture ou des boissons sur vous? Vous vous moquez de moi? Je vois vos bonbons. Des bonbons? Ils font partie de ma tenue. Allez, dehors. Oh, pourquoi il ne m'a pas cru? Hé, une seconde. Peut-être que ce collier peut m'aider. Ok, je vais commencer par le couper juste ici. Voilà. Et maintenant, je peux commencer à le démonter. Au revoir, les fleurs. Nous y voilà. C'est la dernière. Maintenant, j'ai la ficelle. Je vais les tirer pour qu'elles soient bien droites. Et maintenant, je vais y placer des bonbons. Je vais les aligner le long de la corde comme ceci. Et je répète ceci tout du long. Regardez tous ces bonbons, délicieux. Je retourne les extrémités en dessous. Il faut que les rubans pendent. Ok, ajoutons-en encore plus. Plus il y en a, mieux c'est. Et ensuite, je vais remettre les fleurs, bien sûr. C'est très crédible et très joli. Ok, je pense que c'est bon. Allons vérifier. Ouais, ça donne une jupe vraiment sympa. Je suis trop forte. Hé,
je peux aller à la fête maintenant? Vous êtes la fille de tout à l'heure. Laissez-moi regarder de plus près. Ok, c'est impeccable. Mais d'abord, limbo! Ouh, passez en dessous! Allez! Yay, c'est amusant! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est difficile! J'ai besoin de sucre pour reprendre de l'énergie. Il n'a rien capté. Délicieux! Et maintenant, j'ai assez d'énergie pour faire la fête toute la nuit. C'est parti! Bien, ce thé va être très bon. Oh, pendant que j'attends qu'il refroidisse... Hé, salut David! Hein? Je veux quelque chose à boire, moi aussi! Oh, ok, bien sûr! Oh, il y a du cacao là-dedans! Miam! Des bonbons! Ouais, je vais lui prendre ça. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as mangé tous les chocolats! Allez, donne-moi ça, je ne plaisante pas! Donne-moi ça tout de suite, je vais me fâcher! Oh, je suis furieux! Chocolat! Ça va, reprends-le si c'est si important pour toi. Ouais! Merci, David! Super, maintenant je n'ai plus de bonbons à manger. Ok, je ne la vois nulle part. Je vais essayer d'être discret. Je vais prendre mon sachet de verre en gélatine que j'ai caché ici. Yes! J'aime trop ces bonbons, ce sont mes préférés! Salut, David! Peux avoir des verres en gélatine, s'il te plaît? Oh, prends tout le sachet pendant que tu y es! Elle l'a pris, mais ça faisait partie de mon plan! Parce que pendant qu'elle mange ça, j'ai ma vraie réserve secrète! J'ai pris un tube de dentifrice que j'ai vidé. Oh, regardez-moi ça! Une fois le tube vide, je jette le dentifrice et je le remplace par des verres en gélatine. Je vais simplement les glisser dans le tube, ils s'adaptent parfaitement. Maintenant, il faut remettre le bouchon pour finir le travail. Voilà! Dès que je veux un verre en gélatine, j'en ai un tout prêt! Oh, j'ai hâte de manger ces délicieux bonbons! Trop bon! Oh, j'ai super faim tout d'un coup. Attends, mon crayon, bien sûr. Et si c'était en fait un bonbon? Yes, je vais le manger. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? David, stop! Hein? Quoi, t'en veux? Si je veux manger ton crayon. Un crayon? Oh, c'est vrai, j'imaginais que c'était un bonbon. Oh, David! Tiens, laisse-moi te montrer en quoi mon crayon est différent. D'abord, je prends du chocolat, puis je le mets sur une cuillère et j'attrape mon sèche-cheveux. Je fais fondre ce chocolat, puis je prends mon crayon. Les gommes sont assez faciles à enlever. J'ajoute un petit tube à cette extrémité du crayon. Comme ça, je n'ai plus qu'à verser le chocolat fondu à l'intérieur. Oh, regarde ça! Ça a l'air trop bon! Mais j'ai besoin d'attendre que ça refroidisse. Et tada! Une gomme en chocolat sur mon crayon! Tu as bien suivi, j'espère! Tiens, tu peux y goûter. Waouh, merci Madison! Tu es géniale! C'est trop bon! Ça fait vraiment du bien en plus! David, non, arrête! Le reste du crayon n'est pas en chocolat! Oups, c'est vrai! J'avais encore oublié! Autant pour moi! Salut tout le monde! J'espère que vous avez faim! J'ai concocté quelque chose de spécial! Tenez! Miam! J'ai hâte d'y goûter! J'ai tellement faim! J'ai hâte d'essayer ça! Ouh, qu'est-ce que c'est? C'est tellement excitant! Hein? C'est tout? Mon tour! Ça, c'est mieux! Il y en a plus encore! Je suis contente de ce que j'ai! Waouh, t'as de la chance! Voyons voir ce que j'ai! C'est lourd! Allez! Je n'arrive pas à y croire! C'est de ça que je parle! Waouh, où est-ce qu'on est? J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Je me demande ce que c'est. Je vais y aller en premier. Waouh, j'ai du soda! Mon préféré! Ça a l'air bon! Je vais y goûter. Attends, il tremble! C'est de la gélatine! Du calme, Brian! C'est de la gélo! C'est parti! Waouh, c'est délicieux! J'en veux plus! Je suis tellement heureux! Je n'arrive pas à arrêter de manger! Je pourrais faire ça toute la journée! J'ai apprécié chaque bouchée! Oh oh! Oh, c'est dégoûtant! T'as besoin d'un bain de bouche! J'ai des bonbons à la menthe juste ici! Non, ne fais pas ça! Oh, je suppose que vous avez raison! D'accord, c'est mon tour! On a des blocs de gelée! Oh, il y a quelque chose à l'intérieur. Oh là là, ce sont des fruits. Ils ont l'air délicieux. C'est comme des blocs de construction. Ça me donne une idée. Je vais les empiler juste comme ça. J'ai fait une pyramide. Regarde ça. Je le mérite.
C'est vraiment moelleux. J'adore ça. Je vais essayer le reste. Ils sont géniaux. Je n'ai jamais rien eu de tel. Mes compliments au chef. Il ne me reste plus qu'un bloc. Je vais le savourer. De qui je me moque? Viens dans ma bouche. Et j'ai fini. À toi de jouer. J'attendais ce moment. Des guimauves? Waouh, c'est hypnotisant. Je ne me sens pas très bien. Hé, Luna, secoue-toi un peu. Waouh, c'était bizarre. Tu m'as inquiété. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Attends, j'ai une idée. J'aurai besoin de bonbons. Je vais les ajouter à un bol. Ensuite, je verse de l'eau chaude. Ça va les dissoudre. Maintenant, on passe aux guimauves. C'est la partie amusante. Et hop, en l'air. En plein dans le mille. Maintenant, je dois les mélanger ensemble. Ça va être gluant. C'est exactement ce que je veux. Je vais les mettre dans un bol. Je ne veux rien renverser. Je vais les mettre au frigo. Waouh, ça a l'air génial. Je vais le rouler. C'est comme un rouleau de sushi. Ça va être délicieux. Je ferais mieux de le couper. Je veux des morceaux qui font une bouchée chaque. Waouh, regardez ça. J'ai hâte à ça. Je vais l'essayer. Waouh, c'est génial. Je suis un génie. Attends, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Waouh, super. Qui commence? Waouh, s'il te plaît. Pas possible, c'est une tour en barbe à papa. C'est mon jour de chance. Attends, je dois réfléchir à ça. Non, ça ne va pas marcher. C'est trop grand. Je vais l'écraser. Ouf, c'est difficile. C'est mieux. Je vais la mettre en boule. C'est bien mieux. Maintenant, je peux la manger. Tir astucieux. Attrapé. J'ai apprécié ça. Qu'est-ce que t'attends? À mon tour. Oh, waouh! Ça a l'air spécial. J'ai des cookies. C'est un bon début. Attends, des cookies doubles. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? J'ai besoin de la poche à douille. J'ai de grands projets. Je vais ajouter le glaçage à ce disque. J'ai seulement besoin d'une petite goutte. Pour que je puisse y coller le biscuit, il doit être sécurisé. J'ajoute plus de glaçage. Je tourne le biscuit. Maintenant, je mets un autre biscuit par-dessus. Ça va de mieux en mieux. Je vais avoir besoin de plus de glaçage. Je dois le recouvrir. Ça va être un chef-d'œuvre. Je me sens comme un artiste. Je vais faire tout le tour des côtés. Ça devrait le faire. Maintenant, je peux le lisser. J'aime faire ça. C'est relaxant. Ça a l'air bien. Je vais le mettre sur une assiette. Je dois ajouter les petits détails. Je vais faire de petites pointes. Waouh, je sais ce que je fais. Je devrais faire ça professionnellement. Mon travail ici est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air bien, hein? Attends, j'ai failli oublier. Je vais ajouter une bougie. J'espère que ça va marcher. Waouh, j'ai réussi. Je suis un magicien. Il est temps de faire un vœu. J'ai souhaité avoir un gâteau délicieux. J'espère que ça va se réaliser. Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. C'est tellement excitant. Waouh, c'est incroyable. D'accord, je suppose que c'est mon tour. Voyons ce que j'ai. Un gâteau ennuyeux. Mais je peux l'améliorer. J'aurai besoin d'une guimauve. C'est la solution à tout problème. Je dois la couper. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Maintenant, pour la partie délicate, je vais plier et tordre la guimauve. Je veux faire un pétale de fleurs. Comme ça. J'ai besoin de le colorier. Je le trempe dans des bonbons. Je le mets sur le gâteau. Et j'ajoute les touches finales. C'est tellement joli. Ce serait dommage de le manger. Mais je vais le faire. Mais c'est quoi? Hé, sors d'ici! Où c'est un filet? Vous... Allez-vous-en, les abeilles! Hein? Où est mon gâteau? Oh, il a disparu! Où est-ce qu'il est allé? Hé, les abeilles! Vous vous moquez de moi? Comment elles ont pu? C'est embarrassant! Prête à le faire? Laisse-moi faire! J'ai un donut! Un simple vieux donut! C'est décevant. Mais je peux arranger ça. Je sais quoi faire. Je vais le tremper dans le glaçage. Je
Je vais le recouvrir, ensuite je vais le plonger dans des vermicelles. Chaque beignet en a besoin. Oh ouais! Maintenant, ça, c'est un donut et il est tout à moi. J'ai hâte de le manger. C'est tellement bon! C'est fantastique! C'est mon tour! Une pomme? C'est une blague? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Oh, j'ai compris. Regarde ça. J'aurai besoin d'un porte-pièce. Je veux découper des cercles dans la pomme. Je veux faire une forme de beignet. Je peux sortir ces pièces. Je mangerai ce morceau plus tard. Je vais étaler du beurre de cacahuète dessus. Ça le rendra plus savoureux. Ensuite, je vais ajouter du chocolat. Le chocolat rend tout meilleur. Regarde ça. Je viens de rendre les pommes encore plus savoureuses. C'est tellement mignon. Voyons voir quel goût ça a. Oh, waouh, c'est délicieux. Jaloux, Brian. Waouh, ça avait l'air bon. Voyons ce qu'il y a sous ça. J'ai touché le jackpot. Ce n'est pas juste. Je ne fais pas les règles. Nana, un donut parfait. J'ai hâte d'y goûter. Je ne m'y attendais pas. Je suppose que c'est correct. Mais je sais comment l'améliorer. Il me faut une pompe. Je vais le rendre encore plus grand. Allons-y. Quel est le pire qui puisse arriver? Oh, ça fonctionne! Regardez ça! Peut-être qu'il est temps d'arrêter là, Brian! Pose la pompe! Relaxez-vous, tout est sous contrôle! C'est un beignet géant! Il sent bon! Ça va être génial! C'est l'heure du chewing-gum par ici! Continue comme ça! Tu appelles ça du chewing-gum? Ça, c'est du vrai chewing-gum. Tellement bon! Il n'y a rien de tel. Tu entends ça? Courez! Ça vient! Ah! Ça accélère! Oh non! C'est vraiment pas bon! Oh non! Oula! Ah! C'était quoi ça? Venez avec moi, regardez! C'est là-bas! Alors? Oh non! Ah! Waouh! Où est-ce qu'on est? C'est quoi cet endroit? Comment on boit ce truc? Il est énorme! Pas le mien! Je peux à peine le voir! Il est minuscule! Regardez! Oh, bonne chance avec ça! Ah ouais? Je vais quand même le boire! Au moins j'ai une cuillère! C'est plutôt bon! Ah, délicieux! Une seule gorgée m'a suffi! Ah! Où est-ce qu'il est passé? Étrange! Attends, laisse-moi essayer quelque chose! Hé, je suis là en bas! Hé, c'est moi, tu vois! Quoi de neuf, mec? Il est vraiment rikiki! J'ai le problème inverse! Regarde ce monstre! Doucement. Oups. Ok. Délicieux. C'était super. Oh non. Ah, tu deviens énorme. Coucou. À plus. Profite de la vue, je suppose. J'ai une idée. Alors. Ça a marché. Merci. Je peux. Attention, c'est lourd. Les secours arrivent, frère. Waouh! Je suis redevenue normale! Merci! Ouf! Ah! Ouais! Waouh! Tu es... tu as l'air différent! Je me sens tout à fait normale! Tes oreilles! C'est bon! Mince! Hein? Ouh! Attendez! Moi d'abord! Intéressant! Juste un œuf! À mon tour? Waouh! Regardez cette chose! Impressionnant! Maintenant, c'est mon tour! Et je ne vois rien! Oh, ça craint! Bon bah, tant pis! Vas-y! D'accord, tout le monde est prêt? Hé! Deux moitiés! Regardez ce qu'il y a de ce côté! C'est tout simplement incroyable! Waouh! Enfin, mon tour. Ça promet.
ça a l'air bon aussi. Il y a tellement de crème. Waouh! Mec, c'est bon. Hé! Hey, qui trouve garde? Personne ne peut m'arrêter. Voleur! T'as ton propre œuf, mec. Je peux te payer pour ça, tu vois. D'accord, marché conclu. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Hé, hey, ça sent bon. Mais qu'est-ce que... Ce n'est pas de l'or, c'est du chocolat. Sérieusement? Je suis gavée. Et moi, je suis agacée. Qu'est-ce que j'ai eu? Hein? Un bouton? Waouh! Regardez! C'est tout à moi! Je n'arrive pas à le croire. Mettons-nous au travail. J'ai encore du chemin à faire. Et ça me va parfaitement. Regardez tout ça! Waouh! Place à la crème! C'est tellement épais! Oh ouais! Crème merveilleuse! C'est la meilleure! C'est tellement moelleux et lisse! Quel chef-d'œuvre! Et maintenant, ce gros dur! Amusez-vous bien là-dedans! Parfait! Boule de chocolat numéro 2 entre! C'est juste magnifique! Vous voyez ça? Plus qu'une seule chose à faire! À table, bébé! Waouh! C'est le meilleur jour de ma vie! Plus, plus, plus! Ok, ça vient! Oh, je n'y arrive pas! Je suis peut-être allée trop loin! Comment va ton petit bébé en chocolat? Oh! Hein? Oh! Je prendrai un burger! Des cornichons supplémentaires, s'il vous plaît! Ça arrive tout de suite! J'espère que vous avez faim! Régalez-vous! Génial, merci! Hé, hey, elles sont à moi! Donnez-moi! Lâche! Non, toi, lâche! Arrêtez! Oh! Désolée pour ça! Vraiment? Vous êtes de gros mangeurs, c'est ça? C'est ce qu'on va voir! Ça leur montrera! Waouh! C'est quoi cet endroit? Je n'en ai aucune idée! Ouh! Allons-y! Voilà! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, comme c'est triste! Tout est minuscule! Je n'arrive même pas à voir! Je vais y remédier! Ça fait du bien! Comme un pro! Du poulet frit, tout de suite! Il est peut-être petit, mais il peut quand même être bon! Surtout avec des épices comme celle-ci! Et beaucoup de sel aussi! Voilà! J'ai besoin de jaune d'œuf! C'est petit, mais ça suffit. Il est maintenant temps de paner ça. Premier arrêt, on le plonge dans un bain de jaune d'œuf. Puis, place à la farine. J'en veux beaucoup. Retour à l'œuf chéri. Très bien. Un peu de chapelure, ça ne fait jamais de mal à personne. Attendez juste de voir ces gars cuits. J'ai besoin d'huile chaude. Ensuite, cap sur la ville de la friture. Bien, il fait bien chaud ici. Vous entendez ce grésillement? Il n'y a pas mieux comme son, hein? Ça m'a l'air prêt. Un pour nous? Ah, ils sont tous à moi. Attendez. Quoi? C'est terrible. Ah bon? Son visage dit tout? Ouvre le tien. Si tu le dis. Et voilà! C'est un seau parfait de poulet frit! Mangeons, les gens! C'est tellement bon! Bon sang, regarde! Elle engloutit tout! Waouh! Il reste quelque chose là-dedans? Non! Waouh! Tu auras peut-être besoin d'une serviette! Une quoi? Oh! J'en ai trouvé une! Merci! T'es sérieuse? Donne-moi ça! Maintenant, on porte toutes les deux ta nourriture! Ça te plaît? Hé, hey, arrête ça! Donne-moi ça. Et pour moi? Ouah, double ration! Un pilon de monstre! Ah. Apporte les condiments, chérie. Oh ouais, continue comme ça. Et maintenant, le moment que j'attendais avec impatience. Oh ouais! La première bouchée parfaite.
Tu as vu ça? Maintenant, regarde. Savoure bien la chaleur, mon ami. Les choses vont commencer à chauffer par ici. Parfait. Ah! Ma bouche est en feu! Sans blague! Ah! Ce n'est pas dans le plan! Oups, désolé! Ça vous dit un peu de changement? Ok les gars, choisissez une carte. 1, 2, 3, allez! Moi d'abord! Je me sens bien. Ah zut, quelle poisse! J'ai toujours le plus petit. Et moi j'ai toujours le plus grand. Voyons voir. Ça me plaît. C'est bon. Eh, je peux passer après? Oh, quelle surprise! J'ai eu le grand. Ça me laisse avec le moyen. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Le plus petit morceau de chewing-gum jamais vu? C'est plutôt bon. À toi. Oh, juste un? Non, je veux tout. Je suis tellement heureuse. Super. Ah, reprends-toi. Waouh! Tout ça, c'est du chewing-gum? Vous avez vu ce truc? Waouh! Allez! Waouh! Ça sent divinement bon. Ça a aussi l'air très bon. Regardez et bavez, les amis. Waouh! C'est trop bon! Hé, hey, c'est à la fraise! Encore, encore, encore! Je veux tout ça! Regardez-la tout engloutir. Ouf! Bon! Attends, c'est sans danger? Elle vole! Regarde! Bon vol! Idem! Regarde! C'était embarrassant. Mamie! Sœurette! Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu as faim! Ne mange pas ça! Mange ces bonbons! Je ne sais pas quoi faire! Les ingrédients volent partout! Aidez-moi! Ah! Quoi? Où est-ce que je suis? Oh! Salut les amis! Et voilà! C'est l'heure de manger des friandises! Et vous pouvez utiliser ça! Je l'ai! Et regarde! Attends, est-ce que c'est une araignée? Oh! Je déteste les araignées! N'aie pas peur! Ouf! Mon Dieu! D'accord! Regarde ça! Très bien, ma chérie! Et pour moi, n'est-ce pas qu'ils sont les plus adorables? Oh! Bref, mes ours seront encore plus mignons et plus savoureux. Le chocolat est mon ingrédient secret. Voilà! Adorable! Mais je ne peux pas oublier cette chose. Qui n'aime pas le beurre d'arachide? Voyons voir! Ça ira! Une bien belle pâte à tartiner, rien que de bonnes douceurs succulentes. Quelqu'un voudrait des bananes? Et une touche de cannelle, il est temps de couvrir nos petits oursons. Tellement cosy! Ça a l'air délicieux, non? Maintenant, ajoutons quelques petits détails. Il s'agit de travailler la présentation. Vous voyez ce que je fais? Puis, on termine en recouvrant le tout avec un peu de beurre. Mettons ça dans le grille-pain maintenant. Amusez-vous, les gars! Les choses vont devenir agréables et chaleureuses. Pendant au moins 20 minutes. D'accord, c'est mon tour alors. Délicieux. J'en veux beaucoup, s'il vous plaît. N'est-ce pas la meilleure manière de le manger? Et en plus, recouvert de mon cookie préféré. Pourquoi ne pas ajouter plus de glaçage? C'est une araignée beaucoup moins effrayante. Et bien plus savoureuse aussi. Et que diriez-vous de lui mettre des yeux? Tu me regardes? Et voilà! Comme c'est ingénieux, le mien est presque fini aussi. Parfait! Lequel tu choisis, sœurette? C'est difficile! Voyons voir! Ces ours sont au lit? Assez savoureux!
D'accord, pas mal du tout. Mais celui-là a aussi l'air délicieux, tellement chocolaté. C'est super sucré. Mais si je devais choisir, c'est juste acceptable. Les ours au lit sont les gagnants. Félicitations, grand-mère. Quelle est la prochaine étape? Eh bien, donnez-moi une seconde ici. Ah ah! Oh, mais c'est quoi au nom du ciel? Comme c'est dégoûtant! Laisse faire, mamie. Ah, tu peux simplement utiliser ça. Oh, d'accord. J'ai la recette parfaite. Non, regarde! Attention! Oh! C'est Hello Kitty, c'est bon! Allons-y! Déjà? D'accord alors! Oh! La pression monte! Délicieux! Si petit et pourtant si savoureux! Super! Allez, entre! Waouh! Ça a l'air bon! Vite, avant que ça sèche! Attends juste de les voir! Ils vont être tellement beaux! Maintenant, voyons si ça a fonctionné. Il faut les retirer délicatement et... Vous voyez ça? C'est la rose parfaite! Et je peux faire tout un bouquet! Tout simplement spectaculaire! Tellement magnifique! Ah, délicieux! Eh bien, dis bonjour à ce monstre de guimauve! J'ai besoin de la moitié! C'est tellement grand! Une brochette de guimauve sera bientôt prête! Mais ce n'est que le début! J'ai aussi besoin de quelques petites pièces! Tu le reconnais déjà? C'est un petit chaton en guimauve! Mais ce ne serait pas un chaton sans ses petites oreilles de chaton! Et tout ce qu'il faut pour ça, c'est un mini marshmallow! Voici pour toi, Kitty! Ah, profite de ta trompette! Je veux toutes ces bonnes choses! Oh, bonjour, chocolat blanc! Maintenant, c'est là que le vrai plaisir commence! Miaou! Allons-y! Que la création mignonne commence! Oh, elle devient de plus en plus adorable à chaque seconde! Là, très bien! Et tu as besoin de ton nœud rouge! Bonjour, Kitty! Perfection! Très bien! Eh bien, c'est l'heure! Celui-ci d'abord. J'adore Hello Kitty. Tellement moelleux. Génial, Sœurette. Waouh, c'est incroyable. Mais est-ce que ça pourrait être mieux? Du chocolat. Je pourrais en manger des millions. Tellement délicieux. Et avec ce centre en guimauve. Waouh. Ce choix est difficile, alors j'ai choisi les deux. Waouh! Fantastique! On a réussi! Mon ventre est triste. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon à manger par ici? Je parie qu'il y a quelque chose par là. Eh bien? Non! Quel dommage! Tant pis pour ça. Il devrait y avoir quelque chose de bon. Hein? Je n'en crois pas mes yeux! Oh, salut! Incroyable! Mettons-nous au travail! Oh! Quelle sorcellerie est-ce que c'était? Sœurette? Oh, salut chérie! Oh, vide! Qu'est-ce qu'une fille affamée devrait faire? Inacceptable! J'ai besoin de votre aide! Oh! Qu'est-ce que c'est? Tarte, ça marche. Et moi alors? Un canard? Je fais quoi avec ça? Intéressant. Ralentis, tu veux bien? Aïe, mon dos! Oh non, certainement pas. Je sais exactement quoi faire et j'utilise des sandwichs glacés.
Est-ce qu'il y a quelque chose de plus délicieux? Bien sûr, le glaçage, n'est-ce pas? Et plus de sandwich de crème glacée, évidemment. Qui voudrait de la crème fouettée? C'est vraiment la garniture parfaite. Et vous pouvez en manger autant que vous voulez. Regardez toute cette douceur moelleuse! C'est tout simplement magnifique! Tout est prêt! Impressionnant, n'est-ce pas? Hein? Oh! Tu as déjà fini? J'ai du travail à faire! Tellement frais! Il me faut juste la cuillère parfaite! Oui, maintenant presse! Je l'ai! La cuillère à canard parfaite! Facile! Voilà, c'est parfait! Oh, coin-coin, petit bonhomme! Trop mignon! Ils forment une petite famille! Et voilà! Eh bien, c'est intéressant! Des canards en glace? Celui-ci est délicieux! J'adore ça! Bravo! Merci, ma chérie. Je n'ai pas besoin de ça. Oh, quel manque de politesse. Plus pour nous, alors. À ma santé. C'est bon. Ah bon? Oh, un peu froid sur les vieux dentiers. Mais bon. Une autre portion, s'il vous plaît. Bon, les gars, j'ai toujours faim. Oh, qu'est-ce que c'est? Un crâne? Je peux m'en occuper. J'ai même un moule en forme de crâne. Commençons cette fête. Tout d'abord, le caramel. Tellement fondant. Ensuite, le chocolat avec du colorant alimentaire noir, évidemment. Oh, ouais. C'est bien. Tellement décadent. Waouh! Je les mets maintenant dans le moule. Ce sera tellement cool! Et maintenant, le moment de vérité. Regardez, un petit crâne! Waouh! Effrayant! Génial! Je suppose! Et pour moi, un petit homme? Je l'ai dans la poche. Prêt pour un peu de magie culinaire? Et un de plus. C'est au tour des baies. Et de l'autre côté. C'est parti. L'homme parfait. Eh bien, presque. Apportez le sucre, mes chéris. Je veux que ce soit extra sucré. Ça chauffe ici. En ébullition, en fait. Oh, c'est prêt à partir. Détends-toi et relaxe, petit bonhomme. Retourne-toi. Magnifique. Bonjour, petit homme en bonbon. Tu es prête? Ça a l'air bon, mamie. Regardez ça, c'est un petit bonhomme en fruits. Super. J'adore ce craquement. C'est tout juteux à l'intérieur. Il est doux comme tout. Mais qu'est-ce que tu dirais de l'autre plat? Celui-ci. Oh, effrayant. Oh, croustillant. C'est fantastique. J'approuve. Excellent. Tellement bon. Alors, des crânes pour la victoire! Wouhou! Ouais! Bravo, ma chérie! Ah! Ça, c'est du Ken tout craché! Pourquoi c'est si long? Est-ce que ce bouton se voit beaucoup? Aïe! Oh! Hey! Arrête ça! Oups! Désolé! Tu te moques de moi? Tu vas au poste de police! On peut peut-être s'arranger? Non! Te voilà derrière les barreaux! Mais l'orange ne me va pas.
Une collation alors? Non, pas question. Pas de snack autorisé. C'est pas juste. Oh. Quelle journée! J'ai beaucoup de preuves à manger. Je veux dire, à examiner. Ça pourrait prendre du temps. Je ferais mieux de commencer. C'est ça le plus dur quand on est flic. Il y a tellement de paperasses. Hein? Ça a l'air bon. J'aimerais avoir des bonbons. Ça n'en finit jamais. Je vais faire une petite sieste. C'est ma chance. J'espère qu'il y a un tunnel par ici. Waouh! Je pensais que c'était juste un poster. Allons-y! J'espère que je vais pas me perdre. Ah ah! Une lumière au bout du tunnel. J'y suis arrivée. C'était plus facile que je ne le pensais. Il dort comme un bébé. Il est temps de se mettre au travail. Et j'ai un plan astucieux. Je ferai mieux de me préparer. Je vais pousser cette mousse à travers le tunnel. Ça rendra les choses plus faciles. Juste un peu plus loin. J'en ai besoin pour atteindre ma cellule. Ça devrait le faire. Je pense que je suis prête. Maintenant, j'ai besoin des bonbons. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste un rêve. Fermez simplement les yeux. Attends, ce n'est pas bien. Peut-être que ceci aidera. Tenez. C'est plutôt bon. Je commence à avoir sommeil. Oui, ça a marché. Je dois faire vite. Regarde-les partir. Je pense que c'est tout. Mon travail ici est terminé. Ou pas. Je pourrais m'amuser un peu. Je ne peux pas résister. Il sera bien avec une moustache. Je dois sortir d'ici. Tout s'est déroulé comme prévu. J'en suis plutôt fière. Je peux me détendre maintenant et profiter de ces bonbons à la menthe. Oh! Mon ventre! C'est insupportable! La nature est contre moi! Oh! Contente que ce soit fini. Mais mon ventre! Oh, je dois m'allonger. Je souffre tellement! Arrêtez ça! J'ai besoin d'une serviette. Ah! Les voilà! Super, j'ai tout fini! Un peu d'aide! J'ai besoin d'un réapprovisionnement! Hein? Tu disais? C'est une urgence! Parle moins fort! D'accord, alors vous pouvez m'aider? D'accord, mais c'est notre secret! Je reviens tout de suite! Ma formation ne m'a pas préparé à ça! C'est quoi ça? C'est juste ce dont j'ai besoin! On n'est jamais trop prudent! Préparons-nous! Je peux le faire! Peut-être que le chef me donnera une médaille! Il me faudra encore quelques trucs! Ça devrait le faire. Souhaite-moi bonne chance. J'aurais jamais cru en arriver là. Reste calme, pas de mouvement brusque. Ah, la voilà. Très bien, j'ouvre la boîte. Mon cœur s'emballe. Si ça tourne mal, dis à ma mère que je l'aime. Non, c'est pas possible. Détends-toi. Ouf, je l'ai. Tiens. C'était vraiment nécessaire. Merci, je suppose. C'est juste une serviette. Regardez, je vais vous la montrer. Tu es folle! Tu ne peux pas faire ça! C'est bon, peu importe. Vous en faites tout un plat. Calmez-vous, mon ami. Je n'ai pas besoin de voir ça. À bientôt. C'est pas si grave. Ça me donne une idée. Je vais glisser des bonbons dans l'emballage. Ensuite, je peux le sceller. Je vais le remettre dans le paquet. C'est une réserve astucieuse de snacks. Il ne le saura jamais. Je l'ai mérité. Délicieux. Tout est OK? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Merci pour ça. Je dois y aller. Ce gars est étrange. Mais ce bonbon est délicieux. Entre! Fais vite! Oh, salut maman! Il aurait pu enlever les menottes. Oh, allez! Aïe, mes dents! C'est pas vrai! C'est pas bon! Peut-être que je peux la remettre en place? Ah, c'est mieux. Essayons autre chose. Je peux utiliser une épingle à cheveux? Ça devrait faire l'affaire. Waouh, ça a marché! Je peux pas croire que j'ai réussi. J'aurais besoin de ce sable. J'ai tout planifié à l'avance. Je vais y appuyer les menottes. J'en ai besoin pour faire une impression. Ça se présente bien. À ton tour, ourson en gélatine. Les choses vont commencer à chauffer. Je dois le faire fondre. Donne-moi une seconde. Eh oh, c'est quoi ce boucan? Qu'est-ce que tu fais? Rien, je suis juste en train de faire caca. Un délicieux jus de gélatine. Je vais le verser dans le moule. Je dois le remplir. Waouh, regardez ça! Des menottes en bonbons. Mais je n'ai pas fini. Elles doivent ressembler aux vraies. Je vais les vaporiser avec de la peinture comestible. Hé, ouvre! Tu m'entends? Juste à temps.
Ça suffit. Je vais entrer. On peut pas forcer ces choses-là. Laisse-moi voir tes mains. Allons-y. Ok, fini les bêtises. Vous pouvez compter sur moi. J'ai hâte de goûter ça. Délicieux. J'adore. C'est tellement bon. Qu'est-ce qui prend autant de temps? J'ai un vol à prendre. Bonjour, madame. Vous n'avez pas de contrebande, si? Moi, jamais. On verra bien. Je vais scanner votre valise. Est-ce que ça marche? Ah, un ours! Je dois le scanner. Les ours sont sournois. Je viens de remplacer les piles. Essayons encore une fois. Est-ce qu'on pourrait accélérer? J'ai pas de collation. Attendez-moi là. Allez, quoi? Je prends mon travail au sérieux. J'ai fait ça moi-même. Ah ah! Je le savais! Vous avez essayé de me tromper. Donnez-moi cet ours. Bien, bien, bien. Qu'avons-nous ici? Regardez mon nounours! Je n'ai jamais vu ça avant. On me l'a déjà faite, celle-là. Quoi? Non! Ah! C'est pas bon! Il faut faire un trou. Je l'ai fait. Maintenant, je dois passer un appel. Allô? J'ai besoin de ton aide. Tu peux compter sur moi. J'ai les marchandises. C'est du sucre pur. Plus maintenant. Je suis un maître du déguisement. Ça fait un bail. Hé, monsieur l'agent, par ici. Qui êtes-vous? Je suis ici pour réparer le mur. De quoi est-ce que vous parlez? D'où vient ce trou? Il ne faut laisser aucun échappatoire. Je vais le réparer. Ok, moi je lis. C'est pour toi. Top là. Il ne se doute de rien. J'attendais ça avec impatience. Ma délicieuse barbe à papa. Je vais la mettre juste ici. Ensuite, je vais la couvrir. Je ferais mieux de faire comme si j'étais occupée. Je dois cacher ça. Hé, tout va bien? Est-ce que tu étais... Non, laisse tomber. C'était moi une. Miam! Je m'ennuie tellement. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Attention! Aïe, ma tête! Ok, c'était différent. Qu'avons-nous là? J'aime les surprises. Waouh, une barre de chocolat! Ah, des donuts! Je dois faire vite. J'aurai besoin d'une casserole. Augmentons la température. Je veux faire fondre le chocolat. Ça devrait le faire. Je peux le sortir maintenant, exactement comme je le voulais. J'en ai l'eau à la bouche. Je ne peux plus attendre. J'ai de grands projets. Je vais le presser dans ma main. Je veux une petite piscine de chocolat. Maintenant, je vais y presser mes lèvres. J'aurai besoin de rubans adhésifs transparents. Mouah! Je vais le presser sur mon haut. Je vais en ajouter plus. Ça suffira. Qu'est-ce qui se passe? Rien, absolument rien. Je suis juste en train de me détendre. Je te laisse tranquille. Il m'a cru. C'est l'heure du goûter. J'adore le chocolat. C'est mon préféré. Ah, j'en avais besoin. Délicieux. À moi, à moi, à moi. Oh, waouh, c'est génial. Je suis tellement jalouse. Je peux les sentir d'ici. Oh, pourquoi je m'inflige ça? J'ai besoin d'une distraction. Et j'ai exactement ce qu'il faut. C'est l'heure du spectacle. Ah! Quelle douleur, ça fait mal. S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. Est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Tout va bien? Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. C'est ma chance. Je vais devoir sortir de cette cellule. Je vais passer entre les barreaux. Ouf, j'y suis arrivée. C'est ce que je veux. Ils ont l'air bons. Oh, je sais. Je vais y mettre de la crème. Je dois combler le trou. Un peu plus devrait suffire. Ensuite, j'aurai besoin de pâte à modeler. Je vais l'appuyer sur le bonbon. Je dois faire une bosse. Puis, je peux la découper. Je vais utiliser un bouchon pour ça. Parfait. Je vais les coller sur mon visage. J'ai la trousse de premier secours. Hé, quelque chose ne va pas? Les boutons, je peux? Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Beurk, c'est tellement dégoûtant! Hein? Cette odeur me dit quelque chose. Attends, ce n'est pas un bouton! Tu as de gros ennuis. Sauf qu'il peut! C'est bizarre. Salut, comment ça va? Je vais fermer la battant des toilettes. Oh, un bouton mystère! Pas si vite! Je vais gagner! Wouhou!
Tu as juste eu de la chance. Je peux appuyer maintenant? Waouh! Regardez-moi ça! De la nourriture gratuite! Attendez, qu'est-ce que c'est? Ce sont des crânes en bonbons! Je n'ai jamais rien vu de tel! Oh! Je ne les aime pas! Éloigne ces trucs de moi! J'ai tellement peur! Regarde ce que j'ai eu! Ce sont des os en bonbons! Je vais les goûter! Voyons voir! Souhaitez-moi bonne chance! Pas mal! Je n'arrive pas à croire que tu manges ça! Ils sont bons! Très bons! Oh oh! Il faut que tu vois ça! Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu as des oreilles de chien! De quoi tu parles? Miam! Mais non! Quoi? Pincez-moi, je rêve! Je n'en reviens pas! Pas question que je mange ça! Mais j'ai encore faim! Bon, très bien! Je vais le faire! Après tout, il ne peut rien m'arriver de mal. En tout cas, on va vite le savoir. Attendez. Je savais que c'était une mauvaise idée. Regardez ma main. Au secours, enlevez-moi ça. Oh, mon estomac gargouille. Je suis obligée de me transformer en squelette. Je crois que je n'ai pas trop le choix. C'est vraiment horrible, mais c'est tellement bon. Je savais que c'était une mauvaise idée. Waf! Tu veux aller te promener? Prêt? Partez! Encore une fois? Encore! Ouais, j'ai gagné! Non? Regarde bien! Oh, c'est pas vrai! Waouh, je me demande ce que c'est! Je te laisse regarder en premier! Quoi? C'est vrai? Oh, waouh! De la barbe à papa! Elle est bien aérée! C'est comme manger un nuage. Qu'est-ce que j'attends? Stop, stop, stop! Mets-la dans le bol! Bien vu! Et hop! Regardez, elle se dissout. C'est vraiment génial! Attendez, il y a une sucette à l'intérieur! C'est de mieux en mieux! Oh, elle est toute petite! Elle est minuscule! J'en voulais plus! Je suis sûre qu'elle doit avoir bon goût! C'est moi où il fait froid ici! Oh, tu te sens bien? C'est bon, je peux le faire. Tout va bien. Oh oh! Chris! Aide-moi! Qu'est-ce que je peux faire? Donne-moi une seconde. J'espère que ça va fonctionner. Ne t'inquiète pas, je vais te décongeler. Je ne pense pas que ça fonctionne. Oh, ça valait la peine d'essayer. Bon, essayons autre chose. Que dirais-tu d'une bonne tasse de thé? J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas. Oh, j'espérais que ça fonctionne. Je vais te prendre dans mes bras. Bouh, tu es tellement froid. J'ai tout essayé. Je ferais certainement mieux de découvrir mon plat. Oh, encore de la barbe à papa. Elle a l'air délicieuse. J'espère qu'il y a quelque chose dedans. Je vais la mettre dans l'eau. Et voilà. Wow, regardez, des piments. Ils ont l'air délicieux. Et bien épicés. C'est comme ça que je les aime. C'est tellement bon. Wow, j'ai l'impression d'être un dragon. Chris, j'ai la solution, regarde. Oh, continue, tu as réussi. Tu m'as sauvé. Chris, pose cette sucette. Je vais la garder pour toi. Oups, où est-ce qu'elle est passée? On peut recommencer? Waouh! Regardez tous ces ballons! Attendez, passe-moi ce cure-dent! C'est le mien! Je vais éclater celui-ci! Waouh! Il y a de l'argent à l'intérieur! Wouhou! J'ai gagné le gros lot! J'adore ce jeu! Je vais me servir de mes mains! Ce ballon est costaud! Non, je ne vais pas le faire avec les dents! Je sais ce qu'il faut faire! Je vais utiliser cette pince à cheveux! Ça devrait faire l'affaire! Pop! Hein? Y a rien dans celui-ci! Je suis un peu déçue! Aïe! C'était trop marrant! Ça fait mal! Qui a fait ça? Je vais crever un autre ballon! Quoi? C'est tout mou! Je te vois! C'est juteux! J'en veux encore! Je suis trop jaloux!
C'est mon tour. J'espère que je vais avoir quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça? Oh non! Des araignées! Je déteste les araignées! Je ne pensais pas que c'était à ce point. Il reste encore un ballon. Est-ce qu'elles sont parties? Une sucette géante! Je vais la goûter. Elle est délicieuse. Tu as vu ça? C'est vraiment injuste. Ça va être quoi cette fois-ci? Oh, je ne peux pas. Fais-le toi. D'accord, pas de problème. C'est bon, tu l'as éclaté. Où est-ce qu'elle est passée? Oh non, le ballon! Il est magique! L'entraînement était vraiment dur. Il faut que je reprenne des forces. Regardez-moi ces jolis donuts. Yummy! Halte là! Ce n'est pas un goûter approprié. Sans compter qu'il y a des règles ici. Aucune nourriture dans les vestiaires. Oh allez! Comment je fais maintenant? Elle est partie. Que se passe-t-il ici? Tout va bien? Oh, tu as faim! J'ai quelque chose pour toi. Regarde! Hein? Wow! C'est absolument incroyable! Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à faire entrer des burgers aussi facilement! Coucou! Je peux entrer, s'il vous plaît? Certainement pas! Vous voyez ce panneau? Pas de nourriture à l'intérieur! Vous plaisantez? Vous ne pourriez pas faire une exception? Oh! Attendez une seconde! Elle a l'air tellement cool! Incroyable et forte! Elle va gagner ce match, c'est sûr! Je voudrais tellement être comme elle! Hé, hey, laisse-moi entrer, d'accord? Bien sûr, bien sûr! J'ai une super idée! Excusez-moi, je reviens! Bon, j'ai des gants de boxe, je sens que ça va être génial! Et maintenant, les guimauves, je vais les placer sur les gants! Trop bien! Regardez ça, il y a plein de guimauves! Hé, hey, je viens pour le combat! Laissez-moi passer! Où est ma recrue? Hé, hey, toi, dépêche-toi un peu! Qu'est-ce que tu fais là-dehors? Tu as vu l'heure? Toi, laisse-la passer! Cesse de nous mettre en retard! Bien, chacun est en place! Très bien, approchez! Vous êtes prêts à combattre? Oui, c'est parti! Attendez, attendez! Je crois qu'il y a une erreur! Tiens, prends-en une bouchée! Waouh! C'est délicieux! Ah oui? Très bien, à mon tour! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ne mange pas mes gants! Allez, vas-y, dégomme-la! Mets-la à genoux! Oh, je ne peux pas croire que j'ai perdu! Je croyais être bien entraînée! J'ai travaillé si dur! Quelle journée pourrie! Attendez! Je sais ce qui pourrait l'égayer! Un goûter! Je vais manger du chocolat! Cette journée est nulle! Oh, c'est quoi ça? Nourriture et boissons interdites? Non, impossible! Je n'y crois pas! Il faut que je mange quelque chose! Bon, par où je commence? Oh, je devrais d'abord répondre au téléphone! Allô? Ça va? Ça va? Quoi? Bon, d'accord, ne t'inquiète pas, je m'en occupe! À tout de suite! Bon, comment est-ce que je peux l'aider? Je dois bien pouvoir faire quelque chose! Eh, ça pourrait marcher! Toi, le paquet de chips, tu viens avec moi! Je vais te cacher juste là, sur mon ventre! On n'oublie pas les bonbons, bien sûr, juste là! Ok, ça devrait lui suffire comme goûter! Ensuite, la veste! Cela devrait être suffisant pour cacher les friandises! Je dois la fermer! Oh, regardez comme j'ai l'air baraquée! J'ai entendu dire que quelqu'un avait besoin d'aide! Waouh! C'est incroyable! Impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, regarde ça! Ce ne sont pas des muscles, mais bien les friandises et gourmandises dont tu as besoin! Cela te redonnera ta bonne humeur! Oui, je crois qu'un peu de sucre va m'aider! Génial! Bien, maintenant je suis prête à prendre ma revanche! Ne bougez pas, j'arrive! Regardez-moi ces muscles! Je veux ma revanche! Tu es prête? Ouf, que c'est dur! Oui, j'ai gagné! Je t'ai battue! Je suis la meilleure! Quoi? Je ne peux pas croire que j'ai perdu! Oh, c'est le pire jour de ma vie! Ouvrons-le! Waouh! Tu crois qu'on peut tout manger? J'accepte ce défi! C'est tellement crémeux et onctueux! C'est du bonheur à la petite cuillère! N'oublie pas les côtés!
on a déjà fini? Tu penses à ce que je pense? On ne manquera pas une seule bouchée de chocolat. Allez, viens! Oh non! Ah! Waouh! Ça t'ennuie si je commence? Quoi? Ce n'est pas juste! Je crois que j'ai parlé trop vite. Il est presque aussi grand que moi. Je vois à peine le dessus. Donne-moi une minute. Quoi? Je savais que cette échelle me serait utile. Oh, c'est incroyable! J'y suis presque! Waouh! Regarde ce couple tellement heureux! Oh! Tu m'as apporté des fleurs, hein? Wendy, tu peux m'aider? Redescends! Oh, merci! Magnifique! À moi maintenant! Oh, c'est un minuscule gâteau! Et de ma couleur préférée, hein? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Burk! Oh! Ah! Mon Dieu! Ça va? Phew! Stupide histoire d'amour! Hé! Trop mignon ton gâteau! Mangeons-le! C'est délicieux! Attends! Je commence cette fois-ci! Je n'ai vraiment pas mérité ça! Waouh! Je vais commencer par ces petites douceurs. C'est comme un sandwich au chocolat. Waouh! Je me demande ce que je vais avoir. Tada! Trop cool! Un burger au chocolat? Regarde, Wendy! Le tien aussi a l'air plutôt génial. À côté, le mien a l'air ridicule. Je voudrais que le mien soit aussi grand que le tien. J'ai trouvé! D'abord, je repasse cette tablette. Et ensuite, à ton avis, juste un petit coup de ciseau. Et j'obtiens mon propre coulis au chocolat. Je mets la dose. Ça a l'air bien meilleur maintenant. Je me lance. Trop bon! Waouh! Presque aussi beau que le mien! Je vais juste le rétrécir un petit peu. Oula! Ça fond trop vite! Oh non! Mon superbe sandwich! Ce n'est plus qu'une pâte visqueuse maintenant! Et pas du tout appétissante en plus! Burk! Non! À moi! Ok! Oh, j'espérais un peu plus que ça. Je sais, il faut que je protège mon haut. On y va. Autant en profiter au maximum. Du chocolat au lait. Palpitant. Bref. Oui! Oh, wow! Tu ne trouves pas ça incroyable? Quoi? Mais tu ne peux même pas tout manger! Qu'est-ce que je vais faire? Hé, Wendy, ouvre grand la bouche! Comme ça! Ouais! Vise bien! Marque! À toi! Boum! Voilà! Le rose chaud devant! Ne me laisse pas en plan! Allez! Quoi? Il n'y en a plus! Oh, ce n'est pas grave, Wendy. Si tu commençais... Ok! Ça, c'est vraiment un œuf géant. Pas vrai? Mais il y a quelque chose à l'intérieur? Je dois m'attendre à tout. Car ça risque bien de se gâter. Waouh! Je ne m'attendais pas à ça!
Des petites billes de chocolat. C'est tout simplement délicieux. Je ne peux plus me retenir. Trois petits œufs. Mais que contiennent-ils? Hein? Sérieusement? Il n'y a rien là-dedans? Trop bon! J'ai trouvé! Il va falloir jouer des muscles! Hé, Ceci! Tu es folle? Oh oui! Go! Je l'ai broyé! Toutes ces heures à la salle ont payé! On dirait! Mais j'ai une meilleure idée encore! Un pop-it? Pendant que tu es occupée, j'ai d'autres projets! Je le plonge bien au cœur! Jusqu'à ce qu'il soit couvert de chocolat! Je fais juste un échange! Ne dites rien! C'est parfait! Et je te défie de croquer dans cet œuf! Excellent! Je ne vais en faire qu'une bouchée. Burk! Oh! C'est quoi comme chocolat, ça? Oh! Deg! Arrête de te moquer de moi, Stacy! Oh. Oh, attends un instant! Je suis vraiment désolée. Salut! Comment? Voyons voir. Non. Wow! Je préfère ce qu'il y a là-dessous. C'est bien mieux. N'est-ce pas? Qui ne voudrait pas tout ça? Je ne vais pas me gêner. Oh, cacahuète! Je parie que je peux manger toute la pile. Ça a l'air trop bon. Et pour moi? Une seule? Ce n'est vraiment pas juste. Oh. Je sais quoi faire. Je vais la boire. Je vais te liquéfier, ma petite. Faites monter la température. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Voilà. Ça a plutôt l'air bon. Mais on pourrait y ajouter un peu de chantilly. Bon, d'accord, beaucoup de chantilly. Je n'ai plus qu'à le siroter. Ça a vraiment l'air trop beau. C'est trop onctueux. Attends, tu as la bouche coincée? Ne bouge pas. Ça t'aide? Ça, ça devrait fonctionner. J'ai trouvé. Allô? Pas de problème. Ce message devrait faire l'affaire. Hein? C'est Kevin! Il dit qu'il m'aime! Ça veut dire que c'est mon petit ami maintenant? Waouh! Lily, regarde! Waouh! Incroyable, non? Ça a l'air génial! J'ai le soda, les voitures et la caméra. Mais il nous faut aussi des bonbons. C'est parti! Je vais les mettre dans le soda et reculer un peu. Maintenant, l'autre voiture. Regardez comme elle va vite! Youpi! Ça fonctionne! Il faut vraiment qu'on essaye! C'est parti! Ce look de scientifique fou me va ravir. Tu es prête? Ha! Je t'ai eu! Non! Arrête ça! Oh non! C'est coincé! Lily, où est-ce qu'elle est passée? Je n'y crois pas! C'est bien toi! Regarde ce que tu m'as fait, Tina! Dépêche-toi d'arranger ça! Bien, je vais essayer! Peut-être que si je recommence... Ne fais pas ça! Tu es folle! Bon, je vais essayer autre chose. Ne bouge pas. Ce n'est pas évident, mais peut-être que la science est de mon côté. Nous allons faire une expérience. Je vais mélanger ça et ça. Ça devrait marcher. Bien, Lily, on va te redonner ta taille normale. Tu vas essayer ça sur moi? Et si ça ne marche pas comme prévu, essaye sur quelque chose d'autre d'abord.
Ouais, mais avec quoi? J'imagine qu'on peut essayer sur l'ours en guimauve. Je vais le mettre dans ce récipient en verre et verser un peu de ma solution. C'est comme s'il prenait un bain. Maintenant, il faut attendre. Allez! C'est bon, ça a fonctionné! Je suis un génie! Regarde, Lily! J'ai réussi! Bien joué! Maintenant, redonne-moi ma taille normale. Ok, bouge-toi le nez, ça va mouiller. Oh, oh, oh. Oui, te revoilà! Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Hé, regarde ce que j'ai là. Je me disais qu'on pouvait réaliser une expérience. Tina, 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 ce n'est pas une pile. Ça, c'en est une. Et si on les assemblait? Prêt? Waouh! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je crois qu'on a fait sauter les plombs. On peut peut-être arranger ça. La lumière faiblit. Oh non, je n'ai plus de batterie! Comme d'habitude. Tout va bien, j'ai mon chargeur. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ah oui, mais on n'a pas de courant. Peut-être que ça, ça va marcher. Vraiment, Tina? Bon courage! Oh, qu'est-ce que c'est? Du soda et des bonbons, ce que je préfère. Oh, donne-moi ça! Hé, Tina, c'est à moi! Oh, je vois! Tu pourrais avoir besoin de ça. Est-ce que tu te balades toujours avec ça? Recule un peu, je m'occupe de tout, je suis une pro. Oh! Une pro, tu disais? Hein? Tu ferais mieux de rendre la ceinture noire que tu as volée. Fais-moi voir. Je vais utiliser une cuillère pour enlever la chair. Ça sera beaucoup mieux. Bon, ça a l'air pas mal. Maintenant, je verse le soda. Et j'ajoute les Mentos. Regarde toutes ces bulles. Branchons-le. Attention, il ne faut pas qu'il y ait des étincelles. Oh, j'étais sûre que ça marcherait. Je ne peux pas croire qu'on ait oublié le plus important. Je vais remettre la prise en place, tout simplement. J'aurais dû y penser avant. Oh, le courant est revenu. C'est grâce à moi. J'ai réussi. Boum! Je vais écraser mes ennemis comme ce citron. Il faut que je récupère le jus de citron. J'ai prévu de faire de la limonade. Une fois que j'aurai terminé. Mais d'abord, je dois écrire une lettre. Avec ce coton-tige, je vais le tremper dans le jus de citron. Par où je vais commencer? Ah! Une autre journée au labo. Oh, un cadeau. Je me demande ce qu'il y a dedans. Je vais jeter un coup d'œil. Une feuille de papier. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Oh, une ampoule. Pratique. Je vais la tenir devant la lumière. Je crois que je vois quelque chose. On dirait un message secret. Tina en échange de... Oh non, Tina a des problèmes. Il faut que j'aille à sa rescousse. C'est une rançon très particulière. Oh non, comment je vais faire? Tina, ou des bonbons? Bon, très bien. Après tout, c'est mon ami. Ouh, je crois que c'est la partie la plus sinistre de la ville. Je n'aime pas ça. Tu es venue seule. Ah, oui. Envoie les bonbons. On dirait qu'il y a deux comptes. Tu peux récupérer ta copine. Attends, est-ce qu'on se connaît? Surprise! Tina, reviens ici. Ah, heureusement qu'on a un ventilateur. Il fait tellement chaud. Et si on enlevait nos blouses? Nous devons trouver un moyen de nous rafraîchir. Attends, j'ai une idée. Je pense la même chose. Commencez par couper des rondelles de citron et mettez-les dans un récipient. Ensuite, ajoutez du soda. N'oubliez pas les glaçons. Mélangez le tout. J'adore ce genre d'expérience. Je crois que c'est prêt. Santé! Ça fait du bien. J'ai une autre idée. Ça va être vraiment génial. En fait, c'est une idée de génie. Ça a l'air intéressant. Il faut être précis dans les mesures. Un peu de sel. Je vais préparer l'eau distillée. Je verse le sel dedans. Et on mélange.
Tu crois que c'est prêt? Il faut essayer. On peut utiliser ma sucette. Regarde, elle gèle! On a réussi! Elle est recouverte de glace. Est-ce que ça veut dire que c'est une sucette glacée? Je vais essayer avec cette fraise. Waouh! C'est dingue! Ça a l'air vraiment rafraîchissant! C'est trop bon! Oh, je sais! Bonne idée! On va devenir riche! Venez déguster une bonne fraise glacée! À qui le tour? Tina, regarde ça! Oh, ça a l'air délicieux! Il est énorme! C'est parti pour un peu de cuisine! Je verse la farine! On ne devrait pas la mesurer? Non, et les œufs? Le lait? Ça devrait suffire! Et on mélange! Quelque chose ne va pas! Ça prend trop longtemps! Tu permets? Je vais arranger ça! Génial! C'est beaucoup plus facile comme ça! Et beaucoup plus rapide! Bien joué! On peut utiliser ça pour mixer les ingrédients! Bonne idée! Mais ça, ça sera mieux! C'est comme un mini-entraînement! Bien, par quoi on commence? On va mettre la pâte! Je tourne la manivelle! Oh, regarde la descendre! Tu crois qu'on devrait ajouter un œuf? J'espère que tu aimes les desserts qui croustillent! Oh, Burk! Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Du chocolat! J'adore le chocolat! C'est tellement gluant! Et qu'est-ce que tu dirais d'ajouter quelques Mentos? J'aime bien cette idée! Et j'ai aussi du soda! Ça va être génial! Recule un peu, ça pourrait être salissant! Je me demande quel goût ça aura! Et voilà le soda! Il faut que je prenne une photo! Tina, non! Tu as failli casser mon téléphone! Oups! J'ai une bougie pour le gâteau! Oh, que c'est mignon! Il est vraiment beau! Lily! Hé, Lily! Intéressant! Et si on s'amusait un peu? Oh, c'est tout moelleux! Qu'est-ce que tu fais? Bip, bip, bip! Respire! On devrait mettre plus de photos là-dedans! Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Tu es censée être une scientifique! Je m'ennuie! Lis un livre? Non! Bon, il doit bien y avoir quelque chose pour t'occuper! Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça ressemble à une montagne de travail ennuyeux! C'est toi le travail ennuyeux! Attends une seconde! Regarde ce que j'ai! Oh, donne-le-moi! Ça sent trop bon! Non, ne mange pas ça! Regarde ça! Oh, j'ai compris! Je vais mettre ça là! Pas bouger! Il ne faut pas les faire tomber maintenant! Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3, c'est parti! Ouais! Regarde, ça continue! C'était vraiment une excellente idée! On peut recommencer, s'il te plaît? Bon, d'accord. Commence à les aligner.